Mais qui parle dans ce texte-là? Hein? Qui parle dans ce texte? En fait, celui qui parle là, c'est Djéhouti, qui est la signature par laquelle des générations pendant des siècles de savants africains ont signé leurs travaux. Savant initié africain. Voilà. Et c'est Djéhouti qui parle à un de ses disciples de ce qu'est la mort. On continue. Donc, on recommence. Cette mort est pour beaucoup d'hommes un épouvantable fantôme. Et cependant, ce n'est pas autre chose que notre délivrance des liens de la matière. Le corps n'est qu'un vêtement d'infériorité qui nous empêche de monter dans les mondes du progrès. C'est une chrysalide qui s'ouvre quand nous sommes mûrs à une vie plus large et plus haute. Voyez la fleur qui charme nos yeux en nous enivrant de ses parfums. Elle est née d'une graine tombée dans la terre. De même, notre corps, quand il retourne à cette terre d'où il a été tiré, l'esprit qu'il retenait captif s'exhale comme un parfum vers les cieux. Car l'esprit était contenu dans le corps comme le parfum dans le germe de la fleur. La mort est pour certains hommes un mal qui les frappe d'une terreur profonde. C'est bien là le résultat de l'ignorance, de l'agnoscence. La mort arrive par la débilité et la dissolution des membres du corps. Le corps meurt parce qu'il ne peut plus porter l'être. Et ce qu'on appelle mort, c'est seulement la destruction des organes corporels. L'esprit et l'âme ne meurent point. Voici comment Djéhouti définit la vérité et en parle. Alors, on va voir ce qu'il dit de la vérité. Mais honnêtement, déjà, sincèrement, ce qu'on vient de lire là, pour ceux qui ont lu le Coran et la Bible, il n'y a aucun texte dans la Bible qui te parle de la mort de cette manière-ci. Clair. Aucun. Les textes religieux ont pour objectif de faire de vous des esclaves, des hommes et des sœurs qui ont peur. On vous demande de troquer votre joie de vivre contre la peur de mourir. Alors que quand nous avons fait le live sur celui-ci, Livre des morts. le livre des morts, le livre de la vie après la mort, celui-là. Nous avons appris que quand je vous dirai au revoir tout à l'heure, au lieu de vous dire que j'irai me coucher, je vous dirai que je m'en vais mourir. Et demain matin, je ressusciterai. Vivre et mourir, c'est comme dormir et se réveiller. C'est comme inspirer et expirer. C'est aussi nécessaire que l'eau a besoin du feu et inversement. C'est ça. En fait, ce livre-là, ce live-là, il était d'une profondeur terrible. Et dans l'explication que donne Djéhouti à son disciple, là, sur la mort, ça rejoint totalement ce que nous avons appris sur ce live-là. Et en fait, depuis qu'on a fait ce live-là, déjà, j'avais plus peur de mourir, là, du fait d'un événement, mais alors là, je suis béton. Et ça Aujourd'hui, on rejoint fait. aussi le fait de prier nos ancêtres, parce que Oui. finalement, comme il explique très clairement, il ne meurt jamais finalement, tu vois. Ben, c'est ça. Donc, ça valide le culte. Aruba. Aruba.
On dit de rentrer chez vous. Ouais. Rentrez. Allez-y, on ne veut pas de vous ici. Allez-y. Non, ça ne va pas aller, ça va pas aller. Allez. Voilà, tu ne passes pas. Vous allez dormir ici encore et encore pour toujours. C'est mieux de. Tenez. Oh oui, clam now. Le second clap again now. Oh oui, bend down. One, two, right, left, right. Love my head. One, la face comme Bogota, la voile de rentrer pour cantuler. One, two, three, four, we match our head. Bile, c'est fini que ta gabou fi moufa tous les. One, two, three, four, match our head. Ma, laissez faire mon cœur, faire une vie pas tout seul. Après nos cœurs pas tout seul, mais on a fait plus que Dieu. Il faut le matcher. Ma face est comme du bouteille, on peut dans la vie faire le matcher. Ma face est comme du bouteille, on peut dans la vie faire le matcher. Ma, ta. Abano ka fatu siele wo lavaga fever kanjule. Meleng nage fatu gole taga. Meleng nage fatu gole mumaga. Wo lavaga fever kanjule maya zakambo gotaga. Ma pasa kambo gotaga wo lavaga fever kanjule. Ma face est comme beaucoup de moi, vous l'aurez fait que quand tu l'es. Mais ce qu'on n'a pas comme moi, mon nom goûté facile. Vous l'aurez fait que quand vous êtes, mais l'on ne va pas faire. Nous l'aurez fait que quand vous êtes, mais l'on ne va pas faire. Mama lorang fi par kab ndam dum no antuf mala ma kamel ne sa fasete mala yu am ba la sa fi am bi fi na kaw fi no bu kamel wa yiba bu fi mo fatu se o tin lo ga tin fi par kab am le no wa ga fatu o taga be ne se bi bi ka bu fi mo fatu se le. Laissez finir que ta gueule nous fasse tous les deux. Ma, ba, et ta. Quoi, ok, non plus. On parle de caviar du jour, mais le noir mon laisse du jour à gaffe. Ta fond caviar ne me gagne pour mon dame et mon cousine. On parle de caviar sur le moment de me voir gaffe. Ma poire, na, mais le noir va te hôter. Chou, chou, chou. Ma face est comme Bogota, où l'on a fait que le canjou. Ah, ah, n'as-tu pas? Ma face est comme Bogota, où l'on a fait que le canjou. Ma face est comme Bogota, où l'on a fait que le canjou. Ma, ba, ta, où l'on a fait que le canjou. Ma, ba, ta, Vite mon mari, tu es le monographe, 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 tu es. Vite ta
mbite mu mama mayala wombo bolo ko ga mfi barka mu bun wandi ukarka kan tiyo soma mulun nuwa molen tiyo wa atifo malama kosu mulun nan tiyo chinlong aja molen tiyo mo yom ka yom tiyo mo yom fi ga ndok kan tiyo ka wan mulun wa ko hey 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 ma fa se ko bogo ta ga wa do ga fi ko three four ma ja 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 three four ma ja ja ma ba ta bombi bi ta chimbi mena wa ko do ma ya la ma ta ra wa ko ga ni ma fa se ko bogo ta ga wa do ga fi ba ta ra wa ko ga ni ma fa se ko bogo ta ga wa do ga fi ba ma ja ja wa
Mais qu'à qui parle dans ce texte là? Hein? Qui parle dans ce texte? Arua. 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 Twika mwana akakorogisi. Twika mwana akakorogisi. Donc pour ça, c'est, un, c'est une spéciale dédicace aux frères et aux sœurs qui sont dans les religions importées. L'ancestralisme, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la spiritualité africaine. Là, on ne parle pas de religion. L'ancestralisme. L'ancestralisme, bon, les Blancs parlent de religion, est une religion fondée sur la croyance en l'existence des ancêtres, en la communion avec les ancêtres, d'une vie après la mort, des rapports entre les vivants et les morts, en la vie après la mort. L'ancestralisme africain est un monothéisme. Elle est fondée sur la croyance en un seul Dieu, l'ancêtre des ancêtres, le proto-ancêtre. Le vivant reçoit la vie de ses ancêtres biologiques, connus, et ces derniers le marquent d'une empreinte indélébile par la transmission de l'héritage génétique pour toute la vie. C'est cet héritage qui pousse l'homme à rester lié à son origine et à ses ancêtres. C'est en suivant la voie de la transmission de la vie qu'on arrive à Dieu. Voilà. L'ancêtre des ancêtres, le proto-ancêtre, à l'origine de l'être. Dieu est l'ancêtre de nos ancêtres. Pour arriver à Dieu, nous devons honorer nos ancêtres. Les ancêtres deviennent ainsi des intermédiaires entre les vivants et Dieu. L'ancêtre des ancêtres, le proto-ancêtre, les vivants lui rendent un culte à travers les ancêtres. C'est en rendant un culte à nos ancêtres que nous rendons un culte à Dieu, étant donné que celui-ci est le plus ancien de nos ancêtres, est l'ancêtre de nos ancêtres. Comme chaque famille a ses ancêtres, le culte des ancêtres est un culte familial célébré par le chef de famille. Ça veut dire que dans la culture africaine, tu ne vas pas chez autrui les convertir. Ça n'a aucun sens. Le sacerdoce est une des fonctions patriarcales du chef de famille. L'ancestralisme est une religion anciennement domestique, familiale, clanique, en toute sa composition. Elle n'est pas de nature à s'exporter, elle n'est pas d'essence missionnaire. Elle est une religion ethnique, j'aime pas ça. Bref, elle est une religion, elle est, en fait, l'ancestralisme est une religion, enfin, est une spiritualité, putain, faut se débarrasser des mots des occidentaux là, est une spiritualité familiale. Tu ne peux pas exporter le culte de tes ancêtres au sein d'autres familles, étant donné qu'ils ont eux-mêmes leurs ancêtres. Voilà. C'est important de rappeler ce que c'est que l'ancestralisme. Arua. 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 Twika mwana akakorogisi. Twika mwana akakorogisi.
Bonsoir à tous, bienvenue chez les fétiches de guerre. Ce soir, nous allons lire un texte qui est fabuleux, une découverte incroyable, un super texte. Alors, nous allons lire l'ouvrage, en tout cas une partie de l'ouvrage de Monsieur Fabre d'Olivet, Antoine de son prénom, qui est né en 1767 et qui est décédé en 1825. Donc ça, c'est très important pour nous, parce que on continue notre œuvre anthropologique sur les Occidentaux. Voilà, c'est ce qu'on appelle retourner l'arme de l'ennemi contre lui-même. Donc nous allons apprendre à travers ces auteurs anciens, nous pénétrons l'âme des Occidentaux. Et sincèrement, c'est pas par méchanceté que de dire ça, mais les Whites sont quand même hyper médiocres, hein, faut pas déconner. Ça fait quand même 2 ans qu'on fait un travail sans fioriture, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un travail partisan, on prend connaissance de ce qui anime aujourd'hui leurs pensées, et honnêtement, sans même parti pris, c'est quand même profondément scandaleux ce qu'on apprend. Cet ouvrage a été rédigé en 1813, donc en gros, nous sommes en train de lire un ouvrage qui a été rédigé il y a 200 ans. Il y a plus de 200 ans. Et vous voyez, en fait, ça va vous paraître bizarre, mais faire un exercice comme celui que nous faisons, nous, les fétiches de guerre, depuis bientôt 2 ans, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est une autre particularité. Ce qui fait que derrière, on est capable de décrypter l'actualité avec un regard plus haut, avec un recul, avec une profondeur. Donc c'est très important de pouvoir lire un ouvrage qui a 200 ans. Bien. Et j'en débattrai tout à l'heure avec vous, en lisant, parce que je l'ai quand même un peu lu ce livre-ci, hein, parce que déjà dedans, il y a ce qui nous intéresse, c'est-à-dire il y a le texte initiatique de Pythagore. Donc c'est un texte que Pythagore a dû apprendre par cœur, d'accord ? Et donc ça nous ramène, au-delà de 200 ans, ça nous ramène à l'époque de l'existence de Pythagore. D'ailleurs, on va aller regarder tout de suite quelle est la date de naissance de ce personnage, d'accord ? Donc ça vous donnera une petite idée de l'époque antique auquel nous allons nous référer par rapport à l'ouvrage. Donc, du moins par rapport au texte initiatique. Donc on va aller sur Google, je vais vous partager l'écran comme d'habitude. Alors, arrêtez l'écran, voilà, partagez l'écran, tac, et voilà, on va venir là, et donc on va taper Pythagore, un truc tout bête, hein, mais que beaucoup d'Africains ne savent pas faire, j'exagère pas, quand on parle d'économie, ils ne sont pas capables d'aller faire les recherches, quand on parle de matières premières, ils ne vont pas faire les recherches, quand on parle d'auteur, ils ne vont pas faire les recherches, quand on parle de, ils sont capables de soutenir un pédophile multirécidiviste, d'accord ? Et parce qu'ils ne sont pas capables d'aller sur Google taper le nom du gars pour voir ce qu'il a fait avant. Voilà. Donc là, nous, c'est pas incroyable, hein, mais on va juste taper Pythagore. Voilà. Vous voyez, juste pour savoir de qui on parle, c'est tout con. Alors, bien évidemment, on va nous expliquer qu'il a fait, il n'a rien fait du tout. Les théorèmes existaient 1000 ans avant sa naissance. Donc Pythagore, donc ça, c'est le théorème de Pythagore qu'on va attribuer à l'autre abruti. Mais ce n'est pas ça du tout, c'est Pythagore qui nous intéresse. Voilà, c'est le personnage. Donc, on ne va pas leur donner des sous, hein, faut pas déconner. Alors, on ne va pas donner 2 euros, non, je suis désolé. Donc, Pythagore, voilà. On va accueillir le grand frère Judoka. Bonsoir, Judoka. Oui, bonsoir, Fétiche. Comment vas-tu ? Bah, écoute, ça va, j'étais en train de me distraire, de regarder... des rites initiatiques africains là avec sur la chaîne de Bicoland. Donc voilà. Ok. Donc ce soir, le texte initiatique de Pythagore, ça te parle ou pas ? Oui, tout à fait. Ça c'est bien qu'on y revienne, Fétiche, pour les gens de la tendance kamite, pour les fétiches de guerre historique, pour un certain nombre d'adeptes aussi des conférences d'histoire africaine non romancées. Mm-hmm. On sera du réchauffé pour eux, mais bon, je pense qu'on va quand même apprendre des choses, même si nous savons que Pythagore est parti, on parlait de rites initiatiques, s'initier
en Afrique aux sciences. C'est ça. C'est ça. Donc, nous allons décrypter ce soir le texte. Alors. Et chose un petit peu pour donner le contexte historique fétiche, ce que nous disent les historiens africains, hein, chez Kanta Diop et d'autres, toutes ces lignées, ils nous disent en fait que les historiens occidentaux ont menti à dessein dans l'ensemble des traductions qui ont en fait du grec sur l'Afrique. Okay. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'en retournant au texte des anciens, hein, et puis les textes des anciens, ce n'est pas forcément les anciens qui les ont écrits, c'est souvent des propos qui ont été rapportés par les Arabes, par exemple, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les Grecs étaient une civilisation qui n'aimait, des gens qui n'aiment pas souvent écrire. On ne peut même pas appeler ça civilisation au sens où on l'entend aujourd'hui, hein. Oui, oui, tout à fait. Les Grecs n'aimaient pas écrire. Même le mot civilisation, on ne devrait même pas l'utiliser, parce que le terme qu'on s'imagine, le sens qu'on s'imagine du mot civilisation n'est pas son sens réel. On l'a appris dans l'ouvrage de Maurice Gaucher. Tout à fait. Civilisation, on peut dire peuplade. Voilà, tu vois. Là, en ce qui concerne les Grecs, on peut parler de peuplade sauvage, mais pas de civilisation. Enfin, en tout cas, pas ce mot maléfique qu'est civilisation. Parce que son sens réel est profondément maléfique, le sens du mot civilisation. Mais là, on peut parler de peuplade sauvage. Ils ne parlaient pas, ils n'écrivaient pas, il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas de médecine. D'après Thomas Clarkson, les Grecs découvrent le feu au contact des Africains. Oui, oui, fétiche. Et si tu veux, les traductions qui avaient été faites par les Occidentaux étaient des traductions qui ont permis... de faire perdurer, même jusqu'à nos jours, des manchons historiques et de l'histoire comme de la mythologie historique, en fait. Hein. Il se raconte des mythes. Alors, on va voir. Alors, Mema, ta théorie de Pythagore a été créée de toutes pièces, etc. Moi, j'aimerais que tu apportes des éléments. Tu vois, ça, j'aime pas ça, moi, Mema. Tu viens pas affirmer des trucs... On n'a rien là. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on te croit, c'est ça? Mais ici, on ne croit pas. Ce mot, il n'existe pas dans nos têtes. Donc, si tu es capable d'écrire ce que tu as écrit, mets-nous un lien, mets-nous un truc vers une documentation qu'on aille vérifier. Mais personne ne va te croire ici. Il faut qu'on arrête avec ce truc. Si on fait des lives avec de la documentation, c'est pour éviter ce genre de commentaires, justement. Parce que là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu dis, Pythagore n'a jamais existé, c'est un personnage fictif. Il a été créé de toutes pièces pour créer le mythe du savoir occidental. Ah bon? On est censé faire quoi, là? Te croire? Non, on va pas te croire, parce qu'ici, les gens ne croient pas. Donc, si tu as de la doc, ça nous intéresse. Mais pour ce qu'il en est, bon, déjà, Pythagore, ce n'était pas son véritable nom, d'accord? Voilà, c'est manifestement... Mais bon, de toute façon, on continue. Donc, Pythagore, en grec ancien, est un réformateur religieux. Alors, il faut noter ce terme de réformateur religieux. C'est quoi un réformateur religieux, judoka? Réformateur religieux. Bon, réformer la façon dont on ignore les dieux ou les déesses que l'on vénère. C'est-à-dire qu'il aurait passé... Un réformateur, c'est quelqu'un qui va changer, qui va faire une réforme, comme les luthériens l'ont fait pour le catholicisme, par exemple. Ce sont des réformateurs religieux. Voilà, donc réformer... Il est parti de telle base. On est d'accord. Réformateur religieux, c'est quelqu'un qui réforme un ordre religieux, sa discipline, sa règle, son observance. Voilà. OK ? Donc, c'est ça, un réformateur religieux. C'était juste pour qu'on comprenne, mais on est d'accord. Hein. Ton explication est la bonne. Donc, mais c'est important de noter... Comment ? Ça serait intéressant de savoir d'où ils partent en termes religieux. Oui, mais on va voir. Est-ce qu'ils sont monothéistes, multithéistes, ils ont plusieurs dieux ? Non. Voilà. Ouais, je sais. Il faut que j'avance, judoka. Ouais, vas-y. J'ai fait noter le terme réformateur religieux parce que ça va être important pour plus tard. D'accord ? Réformateur religieux et philosophe pré-socratique. Pré-socratique, c'est-à-dire qu'il arrive avant Socrate. D'accord ? Qui serait né aux environs de 580 avant Jésus-Christ. Donc, Pythagore serait né...
aux environs de 580 avant Jésus-Christ, à Samos, une île au sud-est de la mer d'Égée. On établit sa mort vers 495 avant Jésus-Christ. Il n'est pas mort vieux, lui. Hein. Non, il n'est pas mort jeune, tu veux dire. Jeune, pardon. Il n'est pas mort jeune, il est presque un siècle. Donc, il est décédé à 85 ans. Aurait été également mathématicien, d'accord ? Aurait été également mathématicien. Donc, tu vois, ça veut dire que ceux qui ont rédigé son Wikipédia, sa qualité de mathématicien n'est pas totalement, disons, validée. Aurait été. Donc, ce n'est pas sûr. D'accord ? C'est du conditionnel. C'est du conditionnel et scientifique, selon une tradition tardive. Une tradition tardive, c'est une tradition. On va lui attribuer le fait qu'il ait été mathématicien et scientifique plus tard, c'est-à-dire bien après sa mort, mais pas pendant son vivant. Vous comprenez, c'est-à-dire toute cette espèce de gymnastique malsaine, comment dirais-je, c'est-à-dire ce jonglage avec la réalité. Cette intrusion du mensonge qui a l'air d'être la vérité, si vous ne faites pas gaffe. Ça, c'est l'écrit occidental. Écoutez bien l'affaire. Hein. Il aurait été mathématicien. Donc, on n'est pas sûr. Et scientifique, on n'est pas sûr non plus. Parce qu'il aurait été. Donc, on n'est pas sûr. Ensuite, selon une tradition tardive. Une tradition tardive, c'est qu'on a décidé, bien plus tard, après son décès, qu'il aurait été. On a décidé de lui attribuer ces qualités-là. C'est ça, la tradition tardive. D'ailleurs, qui va perdurer jusqu'à nos jours. Hein. D'accord ? Le nom de Pythagore est étymologiquement Pythagoras, celui qui a été annoncé par la Pythie. D'accord ? La religion grecque antique, la Pythie, également appelée Pythonis, est l'oracle du temple d'Apollon à Delphes. Elle tire son nom de Python, le serpent légendaire qui vivait dans une grotte à l'emplacement du site actuel du sanctuaire et qui terrorisait les habitants. Bon. Vous voyez d'où venait un petit peu la cosmogénèse, comment on appelle ça, occidentale. Hein. Bon, oui. Il y aurait eu un serpent dans une grotte. Donc, voilà. C'est quand même très intéressant ce que tu nous lis, les quelques lignes-là. Moi, j'y vois deux enseignements globaux. Un, que ce que on nous a appris déjà à l'école de la République comme des faits certains, ben, là, c'est pas leurs propres auteurs y mettent du conditionnel. C'est ça. Hein ? Et puis, l'autre chose, c'est que il faut toujours se rapporter aux documents sources. Et effectivement, c'est ce que cette histoire en fait, de Pythagore nous enseigne. Hein. C'est ça. Et ça, c'est avec ça qu'on nous domine mentalement, hein, Fétiche, parce que quand vous allez à l'école, on ne vous dit pas que le théorème de Pythagore, c'est le théorème d'Amès. Hein. Personne ne vous le dit. C'est ça. Alors, la vie énigmatique de Pythagore permet difficilement d'éclaircir l'histoire de ce réformateur religieux, virgule, mathématicien, virgule, philosophe, virgule, et thaumaturge. Il n'a jamais rien écrit. Et les 71 lignes des vers d'or qu'on lui attribue sont apocryphes et sont le signe de l'immense développement de la légende formée autour de son nom. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire là ? C'est-à-dire, écoutez bien comment ce texte est profondément malsain. C'est malsain dans l'écrit, c'est malsain dans la pensée, c'est malsain dans la compréhension, c'est malsain en tout. Écoutez bien, je vais relire, hein. Il n'a jamais rien écrit. Là, ce n'est pas un conditionnel. Là, on est sûr. Sinon, ils auraient écrit. Ils n'auraient jamais rien écrit s'ils n'étaient pas sûrs. Donc, il n'a jamais rien écrit, c'est que c'est avéré. On n'est plus dans le conditionnel. Et les 71 lignes des vers d'or qu'on lui attribue sont apocryphes. Apocryphe, ça veut dire on qualifie une œuvre d'apocryphe pour signifier que son authenticité n'est pas établie. Bah oui, parce que, donc en gros c'est douteux, mais en réalité pourquoi est-ce qu'il considère que les vers d'or qu'on lui attribue sont douteux ?
C'est justement parce qu'ils ne veulent pas dire que c'est le texte d'initiation de Pythagore. C'est pour éviter d'avoir à le dire, et un texte d'initiation à un type qui ne savait pas écrire, c'est pas lui qui l'a écrit. Eh oui. Mais alors, si c'est pas lui qui l'a écrit, où est-ce qu'il est allé étudier Pythagore? En Égypte, en Afrique. Mais dans le texte, on ne veut surtout pas le dire. Donc on dit c'est apocryphe. Voilà. Et sont le signe de l'immense développement de la légende formée autour de son nom. Ah bon? C'est le texte, les vers d'or qu'on attribue à Pythagore qui sont le signe de l'immense développement de la légende autour de son nom. Ça aussi, c'est un mensonge. Pythagore, il est connu pour un théorème qu'il n'a jamais écrit. Il n'est pas du tout connu pour les vers d'or, pour son texte initiatique. En fait, ils mentent. C'est-à-dire qu'ils connaissent la vérité sur le personnage, mais ils ne peuvent pas l'écrire tel que. Parce que ça serait quand même... Parce que vous comprenez, il faut diaboliser l'Afrique. Donc ça serait quand même incroyable d'aller expliquer qu'un blanc est allé s'instruire chez des Noirs. C'est pas possible. Donc, on va vous inventer un truc, là. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Fétiche, tu peux nous rappeler qui a écrit ce texte, s'il te plaît? Le texte de quoi? Ce texte-là. Le texte que nous lisons. Sur Wikipédia? D'accord. Je sais pas, il y a un nom là-dessus. Ils ont quand même nettoyé les choses, hein, parce qu'il y a quelques années... Jamais tu avais ces propos-là, hein. Jamais. Ils ont lâché quand même un petit peu de bride. Oui, oui, bon après, bon, j'en sais rien. De toute façon, c'est quand même bien merdique ce qu'on est en train de lire, là. Hein. Donc, le néo-pythagorisme est néanmoins empreint d'une mystique de nombreuses... Alors, le néo-pythagorisme, c'est quoi? Est un courant philosophique et ésotérique dérivant de Pythagore, commençant au 1er siècle avant Jésus-Christ à Rome, à travers Nigidius, Figulus... et à Alexandrie par Eudore d'Alexandrie, divisé en diverses écoles. Parfois, il est difficile de distinguer si un auteur est un néo-pythagoricien, etc. Bon, on va voir ça plus tard. Et néanmoins empreint d'une mystique, une mystique des nombres. Une mystique des nombres. Qu'est-ce que c'est une mystique des nombres? Ben, c'est de croire que un nombre donné, par exemple, je vais prendre le cas du 666, serait relié à des actions diaboliques, par exemple. Oui, mais un nombre ne peut pas être mystique. Il n'y a rien de plus factuel que des nombres. Il n'y a rien de plus vérifiable que des nombres. Comment tu peux parler de mystique et parler de nombres? Je veux dire, les mathématiques, ce n'est pas mystique, les mathématiques. Attends, c'est un type à qui on prétend qu'il aurait réalisé un théorème. Son théorème, ce n'est pas du mystique. Son prétendu théorème, c'est pas du mystique. Et comment peut-on attribuer quoi que ce soit à un mec, merci ma sœur, on est là, à un type qui n'a jamais rien écrit? Ils le disent plus haut? Bah, je pense que là, c'est l'Europe, ça y est. Je crois que ça y est là. Ça y est, je crois que quand c'est tordu comme ça, c'est européen. On y est. On est en Europe là, c'est sûr. Vous ne pensez pas? Ah, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de lire. Hein. Je ne sais pas si... Judoka, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que... l'histoire qui est racontée de l'Europe par les Européens, ça commence à puer parce qu'ils ont lâché sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont lâché sur l'écriture grecque, ils ont lâché sur le fait que Pythagore, il n'y a aucun de ses écrits, ils ont lâché en fait que Pythagore était très, très critiqué, mais... Là, ils indiquent que Rhodote mentionne comme l'un des plus grands esprits de la Grèce, mais quand on relit les textes initiaux d'Hérodote et de ses contemporains, Pythagore, justement, a été critiqué pour son amateurisme et sa fainéantise à écrire.
On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Donc, alors. Donc je trouve que si tu ne sais pas que Pythagore a pris l'ensemble de ses savoirs en Afrique, tu ne comprends plus rien à ce qui est écrit ici. C'est-à-dire que c'est, si tu veux, le demi-mensonge qu'ils essayent de cacher... Il n'y a pas de demi-mensonge, c'est un mensonge. Il n'y a pas de demi-vérité. De cacher rend leur... l'histoire qui est racontée incompréhensible. Totalement bidon. Ah ben ça se décrit... ça devient ridicule. C'est incroyable. On continue. Alors, le néo-pythagorisme est néanmoins empreint d'une mystique des nombres. Voilà, donc ça s'appelle un oxymore. Déjà présent dans la pensée de Pythagore, Hérodote le mentionne comme l'un des plus grands esprits de la Grèce, le sage Pythagore. Il conserve un grand prestige. Hegel disait qu'il était le premier maître universel. Tu parles, putain, hey, les mecs. Le premier maître universel, un type qui allait s'instruire en Afrique, comment ils peuvent parler d'universel? Vous savez... Attention, Fétiche, Hegel, hein, c'est un philosophe allemand, c'est un des racialistes les plus effrénés. Ah, je connais. Hein, donc, ouais. Et quand il emploie universel, je peux te dire que c'est dans les sens qu'on... avec le blanc dans l'ordre universel. Hein. Oui, c'est ça. C'est, voilà. Pour eux, c'est le premier blanc qui est au-dessus de cette soleil. Alors, on va tester le niveau du chat. Là. Universel. Qu'est-ce que le mot universel sous-entend? Mettez les adjectifs que universel vous. Le mot universel, qu'est-ce que cela représente dans votre esprit? Quand on dit que quelque chose, d'ailleurs, il n'y a que les Occidentaux pour parler comme ça. Hein. Eux, c'est l'univers, hein, d'accord? Qu'est-ce que le mot universel dans la bouche d'un white, comme ils nous appellent black, on l'appelait white, qu'est-ce que universel chez les whites veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Catholique, c'est faux. Mondial, c'est vrai, mais ce n'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce que universel? Homogénéité des cultures. C'est pas faux, mais c'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce que ça sous-entend? Intelligence qui vient naturellement. C'est totalement faux, ça, le petit Kémy. Planétaire, Tamerie, c'est une bonne réponse, mais c'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce que universel sous-entend dans la bouche d'un white? C'est une lecture qu'il nous a donnée. On va aider nos fétiches de guerre. Hein. C'est une lecture qu'on a faite ensemble qui nous a donné la réponse. Nous, on ne la connaissait pas non plus, un fétiche. On n'était pas très brillant. Hiérarchisation, oui, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse. Culture comme les Occidentaux, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas la bonne réponse. C'est plus près du faux que du vrai, même d'ailleurs, Éthiopien. Allô. Alors, universel, quand on utilise ce mot... Qu'est-ce que ce mot traduit? Il n'y a que des Occidentaux. Hein, la démocratie, c'est universel. Les droits de l'homme blanc, c'est universel. Enfin, voyez, qu'est-ce que ça traduit, ça? L'impérialisme blanc, exactement. Et on pourrait même rajouter le suprémacisme occidental. C'est ce que le mot universel veut dire. Leur volonté d'hégémonie. C'est leur soif d'hégémonie et de domination. Donc tout ce qui provient d'eux est universel, c'est-à-dire à imposer à tous les autres peuples du globe. Alors, c'est ça que ça veut dire universel. Et tu as raison de le sonner comme ça. Et on a découvert, nous, ce sens que nous ne connaissions pas, hein, parce qu'il y a des gens chez nous qui se disent universalistes, hein, chez les Noirs. Hein. Non, ce mot-là, je l'avais repéré avant, hein, moi pas ce soir, c'est longtemps. Oui, non, nous l'avions repéré. Et dans le livre de Maurice Gauchet, je crois, il dit que l'universalisme va avec l'ordre universel. C'est ça. Les blancs au-dessus de tout le monde. Donc, c'est ça. C'est comme ça, c'est réglé. Hein. C'est clair. Hein. Lui, Alors, quand vous avez des gens, des politiques qui réutilisent ces mots-là, croyez-moi qu'ils ne les ont pas inventés, ces mots-là. C'est pas bon du tout.
Bah oui, ils les ont pas inventés, ils les ont lus chez les auteurs chez lesquels on les a lus. Hein. Alors, on va vous donner deux exemples pour illustrer le mot universel. L'islam est universel. Universel, ça veut dire qu'il faut l'imposer à tous les peuples de la Terre. De toute façon, si tu n'es pas musulman, tu es un mécréant. Et tu peux même être un esclave hein, pour certains musulmans. Donc l'islam est universel pour eux. C'est-à-dire que tout le monde doit être musulman. Voilà. Le christianisme, c'est universel. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut porter la bonne parole à qui ? Bah, aux minables, aux sous-hommes. Voilà. Vous voyez, c'est cette espèce de nécessité de vouloir dominer le monde. Au fond, qu'on soit tous pareils. Vous voyez ? Parce que finalement, on est des créatures de Dieu, mais Dieu leur a dit, s'ils ne se convertissent pas au christianisme, il faut tous les tuer. Comme disait le pape, nous sommes les ennemis du Christ. C'est soit tu es dans l'universalité du Christ, soit tu dégages. Ben, c'est ça, universel. Vous voyez, c'est un mot qui a l'air, tu sais, univers, les étoiles et tout, mais c'est un sale mot de merde. Et quand un type t'utilise le terme universel, c'est très grave. Vous devriez commencer à fuir. Ça pue de ouf quand on utilise ce mot-là. Voilà. Je continue. La seule chose... Savoir, comment ? Vas-y, fétiche. Ce qu'il faut savoir, juste un dernier mot, moi, sur Hegel, lui, il est 1770 environ, 1830, sa mort. Tout ça, ce n'est pas des mots employés au hasard. Hein. C'est dans tout ce que... l'universaliste, les Lumières, tout ça, c'est le même courant poubelle. Hein. C'est poubelle. La France des Lumières, c'est tous des négriers, les mecs. Ah, c'est clair. Bon, on fera un live là-dessus. Donc, universel, c'est un terme qui est très, très dangereux. Très, très dangereux. Très dangereux. Alors, dans un écho marquant d'Héraclide Dupont évoqué par Cicéron, Pythagore serait le premier penseur grec à s'être qualifié lui-même de philosophos dont le sens est ami du savoir ou de la sagesse. Alors, d'après le professeur Théophile Obenga, alpha, bêta, gamma, zeta, c'est pas grec dans la prononciation. Philosophos ou philosophie, ce n'est pas grec. Ce ne sont pas des mots grecs, ça. Mais bon, j'ai pas l'érudition nécessaire pour vous expliquer, je suis pas linguiste. Mais bon, c'est juste pour info. Pour aller vérifier, le professeur Théophile Obenga expliquera bien, bien, bien mieux que moi. Par la même raison, sans doute, tous ceux qui se sont attachés depuis aux sciences contemplatives ont été tenus pour sages et ont été nommés tels jusqu'au temps de Pythagore, qui mit le premier en vogue le nom de philosophe. Héraclide Dupont, disciple de Platon et très habile homme lui-même, en raconte ainsi l'histoire. Un jour, dit Léon, roi des Phliasiens, entendit Pythagore discourir sur certains points avec tant de savoir et d'éloquence que ce prince, saisi d'admiration, lui demanda quel était donc l'art dont il faisait profession. À quoi Pythagore répondit qu'il n'en savait aucune, mais qu'il était philosophe. Et sur ce, le roi, surpris de la nouveauté de ce nom, le pria de lui dire qui étaient donc les philosophes et en quoi ils différaient des autres hommes. Bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans cette lecture de... Comment dirais-je ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce que les Occidentaux ont dissimulé, là, sur la page Wikipédia de Pythagore ? On va poser la question au chat. Qu'est-ce que les Occidentaux ont dissimulé ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas révélé dans ce que nous avons lu ? Vos réponses dans le chat. Je reviens dans deux secondes. Oui, ce qu'ils n'ont pas révélé... Attends, s'il te plaît, laisse d'abord... Oui, non, mais je ne leur dis pas la réponse. Hein. Je dis ce qu'ils n'avaient pas révélé était dans les écrits initiaux de justement de tous les penseurs grecs. Et c'est grâce au travail d'historien que l'on sait ça. Historien africain. C'est quoi ça ? Il y a des choses dans le chat, du Lucas ? Il y a des réponses ou pas ?
Alors, quelles sont les réponses? Quelles sont les réponses? Quelles sont les réponses? Son apprentissage en Égypte, tout à fait. Voilà. Afrique n'est pas présent. Égypte, d'ailleurs, je vais faire un contrôle F sur la page, voyez. Afrique. Voilà. Afrique n'est pas présent. Alors, l'école médio-pythagoricienne de Rome, Appius Claudius Caesius, dès -312, Spicion l'Africain, Spicion Publius Nérien, aussi dit Spicion l'Ancien, ou le premier Africain pour le distinguer de son petit-fils adoptif, Scipion Émilien, d'accord, est un général et un homme d'État romain. Ok, on l'appelait Spicion l'Africain. Bon, donc l'Afrique n'apparaît pas, d'accord. Voilà, on a juste Spicion l'Africain, mais on ne parle pas de Pythagore. Le mot Égypte, on va voir si on retrouve Égypte. Alors, Pythagore en Égypte, Plutarque, propos de table 8-2. Mais si vous voulez, Égypte apparaît là. Alors, Égypte apparaît, oui, Égypte apparaît, Pythagore comme ayant visité. Alors, il aurait visité l'Égypte, voyez? Il aurait juste visité. Voyez? Voilà. Le rhétoricien athénien Isocrate est le premier à décrire Pythagore comme ayant visité l'Égypte. Aristote écrit un traité sur les pythagoriciens qui n'existe plus, dont une partie est peut-être conservée dans le protrétique. Les disciples d'Aristote, Dicéarque, Aristoxène et Héraclide Dupont ont également écrit sur le même sujet. Bien, donc on a là l'Égypte. Alors, les hiérogrammates d'Égypte, ensuite les biographes se laissent. Bon, ok, bon, on va aller à notre truc. On va revenir à notre document. Donc, on fait mention de l'Égypte, mais de façon assez timide. Hein, vous voyez. Alors, on va revenir à notre document qui est là. Alors même, fétiche, que les Grecs le disaient d'eux-mêmes, hein, ceux qui sont capables d'invoquer les vrais dieux qui sont en connexion avec le cosmos ne sont que des noirs. Donc, les prières que vous devez faire, elles doivent être faites par des gens qui habitent la Nubie, disait-il, parce que c'est eux qui sont en connexion avec les autres. Les autres, ça ne sert à rien de prier, vous n'êtes pas en connexion, c'est ce qu'il disait, hein. Ce sont les écrits d'Homère. Voilà. Donc, voici l'ouvrage. Les vers dorés de Pythagore. Mais ces vers dorés ne sont pas de Pythagore. Vous savez pourquoi? Parce que Pythagore n'aimait pas écrire. Donc, elles ne peuvent pas être de Pythagore. Voilà. Mais, comme on est suprémaciste, d'accord, et qu'on ne peut pas, à cette époque-là, on est quand même en 1813, attribuer à des nègres, d'accord, le fait d'avoir pu avoir cette pensée, d'accord, on est en 1813, c'est à peu près l'époque où on va défigurer le sphinx, ok, parce que on ne peut pas attribuer à des êtres que nous réduisons en esclavage depuis quasiment 6 siècles, d'accord, d'avoir instruit des blancs. Donc, on va attribuer le texte à Pythagore. Voilà. OK? Donc, les vers sont expliqués en vers eumolpique français. Donc, ça a été traduit en français par M. Favre d'Olivet. Nous sommes en 1813. La date est très, très importante. D'accord? Donc là, on est dans notre classe des fétiches de guerre. Alors... Donc, et ce discours sur l'essence de la forme de la poésie. Alors, pourquoi les Blancs vont ramener... Alors, je ne sais pas comment on va s'y prendre ce soir. Soit je commence par la lecture du texte, d'accord? Et ensuite, on voit un petit peu ce que les Blancs en disent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Judoka. Non, mais prenons le bouquin dans l'ordre, je ne sais pas, Fétiche. Ouais, j'ai regardé le bouquin un peu, il est chiant. Au début, il va nous raconter des trucs, bon, voilà, il va écrire, messieurs, avant de... Bon, je peux lire rapidement, hein. Messieurs, avant de publier la traduction des vers dorés de Pythagore, telle que je l'ai faite, en vers français que je désigne par l'épithète eumolpique, d'accord, cette épithète sera expliquée dans la suite du discours,
J'aurais désiré pouvoir vous la soumettre et m'éclairer de vos conseils ou m'appuyer sur de vos suffrages, mais des usages académiques et des lois dont j'ai senti la justesse m'ont empêché de jouir de cet avantage. L'innovation néanmoins que j'ai tenté de faire, bon, ça va me saouler, hein, sincèrement, parce que son état d'âme à l'auteur, on s'en tape un peu. Hein, d'accord ? Je n'ai nulle prétention à la poésie, j'avais, bon, ok, ça on va passer. Je pense qu'on va aller tout de suite ce qui nous intéresse. Hein. Allez, hop. Mais il y a un élément qui est très important quand même, Fétiche, hein, dans ce qu'on lit là. Parce qu'il y a un élément qui est très, très, très important. Ouais. On veut dénuer à l'être noir ce que les Blancs appellent la contemplation de la nature. Mmh. Alors que, justement, les Noirs, nous sommes les êtres les plus connectés avec la nature parce que nous voulons... Et nous avons raison de le faire parce que c'est la science qui nous a prouvé cela. En contemplant la nature, nous voulons donner une explication scientifique de l'ordre établi par la nature. Tandis que le locoderme ou le tamou ou l'occidental, lui reste dans une complantation que je peux qualifier de béate et où il n'a pas compris le message qui était derrière. Et c'est là où, si tu veux, par exemple, dans la contemplation par les Africains d'une feuille de fougère, vous avez des modèles mathématiques comme les fractales. Dans la contemplation de l'eau, par exemple, dans différentes situation, l'eau peut avoir des organisations différentes en fonction de son état. Donc, tout ça, si tu veux, on s'est aperçu a posteriori qu'en fait, la contemplation de la nature par les êtres originels, en fait, les hommes, les premiers hommes, avait des fondements scientifiques bien plus importants que cela. Et par contre, ce que le Blanc voulait éviter, c'est qu'on attribue rien que que la contemplation soit attribuée à un homme noir. Et ça, c'était impossible. Et c'est pour ça que, si tu veux, ces textes sont dans leur système de pensée, sont d'une violence incroyable vis-à-vis de nous. Incroyable. C'est des trucs qu'on ne peut même pas imaginer. Je suis d'accord. Faut alors attends, je suis totalement d'accord. En fait, les mecs, bon, je suis obligé de lire un peu avant quand même, hein. D'accord. Parce que ce qu'il dit est pas non plus, c'est pas inintéressant, mais j'ai pas envie qu'on passe, tu vois, les 4 heures de live sur ce que raconte des dégénérés. Mais bon, on va quand même voir quelle était la vision de l'époque, hein. Oh putain, il y a des moments où c'est difficilement lisible, mais bon, on y va. Donc je vais m'y prendre ici, hein, en tant qu'étymologie qu'on peut regarder comme des points fondamentaux de l'histoire de la poésie. Alors, moi je vous invite à noter ce mot poésie. Hein. Vous allez voir qu'ils ont un très très gros problème, les whites. Hein. Ils nous appellent les blacks, ils appellent les whites. D'accord ? Il faut se rappeler premièrement que les Phéniciens, à l'époque où ils couvrirent de leur colonie non seulement la Grèce, mais les côtes du reste de l'Europe y portèrent leur langue. Les Phéniciens, ce sont des Noirs. Hein. D'accord, faut savoir ça. Phéniciens, Cananéens, c'est des Noirs. Hein. D'accord. Et qu'ils imposèrent des noms aux pays dont ils s'étaient emparés. Secondement, que ces noms tiraient presque tous des objets symboliques de leur culte, constituèrent pour ces contrées une sorte de géographie sacrée que la Grèce surtout fut fidèle à conserver. D'accord. Donc la Grèce était fidèle, d'accord, à la spiritualité, la cosmologie qu'apportaient les Phéniciens dans tout le bassin méditerranéen. C'est ainsi qu'il n'est rien sous le soleil qui ne trouve ou son modèle ou sa copie que lorsque les Européens se sont emparés de l'Amérique et l'ont colonisée. Ils y ont porté leurs divers dialectes et l'ont couverte de noms puisés dans les mystères du christianisme. Voilà, c'est-à-dire en gros, en fait, ils font l'analogie entre le fait que les Phéniciens dominent le bassin méditerranéen et apportent avec eux les termes, la philosophie et leurs connaissances, ils font l'analogie avec l'invasion des Européens
en Amérique du Nord, où ils vont évidemment tout détruire, tout saccager, ce qu'ont pas fait les Phéniciens des populations qui étaient là, mais que eux, les Européens, vont faire. Et ensuite, ils vont apporter avec eux, les Européens, leur nom, ils vont tout renommer, etc. Donc, on doit donc, quand on veut entendre les noms antiques des contrées de la Grèce, ceux de personnages héroïques, ceux des objets mystérieux de leur culte, recourir au dialecte phénicien qui, quoique perdu pour nous, se peut facilement restituer à l'aide de l'hébreu, du chaldaïque, de l'araméen, du syriaque, de l'arabe et du copte. Je ne prétends point, messieurs, vous fatiguer des preuves de ces étymologies qui ne sont point, au fond, l'objet de mon discours. Je me contente de les jeter à la marge pour la satisfaction des curieux. C'est ainsi même que j'en userai dans la suite quand l'occasion le demandera. Mais pour revenir à la Thrace, cette contrée fut toujours considérée par les Grecs comme le lieu propre de leur dieu, au pluriel. Hein, d'accord ? C'est-à-dire que avant le contact avec l'Afrique, ces gens-là étaient polythéistes. Hein, d'accord ? Le centre de leur culte, le pays divin par excellence, tous les noms qu'elle a portés dans différents dialectes et qui, par la suite des temps, se sont concentrés sur des religions particulières ont été les synonymes du sien. Ainsi, la Gétie, la Mésie, la Dacie signifient également le pays des dieux. Strabon, en parlant des Gètes, dit que ces peuples reconnaissaient un souverain pontife auquel ils donnaient le titre de dieu et dont la dignité existait encore de son temps. Ce souverain pontife résidait sur une montagne que Danville a cru retrouver entre la Moldavie et la Transylvanie. Les Thraces avaient aussi un souverain pontife institué de la même manière que celui des Guettes. Voyez ce terme de souverain pontife. Ça a été repris dans le christianisme. Vous voyez d'où ça vient? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le terme de souverain pontife est un terme qui est hérité de pratiques polythéistes des anciens peuples européens. Voilà. Donc, résidant également sur une montagne sacrée, c'était sans doute du haut de ces montagnes que se répandaient d'abord sur la Grèce les oracles divins, les lois et les enseignements que les grands pontifes composaient en vers, en sorte que l'on pouvait dire, tant au propre qu'au figuré, que la poésie, révérée comme le langage des dieux, production d'un être éternel, descendait du séjour éthéré et se propageait sur la terre pour l'instruction et le charme des mortels. Alors, c'est ça qui est complètement différent, Fétiche, parce que eux, c'était pour... ils indiquent que c'était pour le sacre des mortels, c'est ça, et le charme. Non, le charme des mortels et l'instruction. La poésie. Donc, alors, tant au propre qu'au figuré que la poésie révérée comme le langage des dieux, production d'un être éternel, descendait du séjour éthéré et se propageait sur la terre pour l'instruction et le charme des mortels. Il me paraît très certain que le temple de Delphes, élevé sur la fameuse montagne de Parnasse, ne différa pas d'abord essentiellement de ceux de la Thrace. Thrace était le domaine des dieux pour eux. Hein. Ce qui me confirme dans cette idée, c'est que selon une ancienne tradition, ce fut Olène qui, sortant de la Lycie, c'est-à-dire de la lumière, fit connaître à la Grèce le culte d'Apollon et de Diane. Vous savez qui est-ce qu'on appelait Diane ? Diane, c'était Aceta. C'est un autre nom qui était donné à Aceta, Diane. Composa les hymnes qu'on chantait à Délos en l'honneur de ces deux divinités et fonda le temple de Delphes dont il fut le premier pontife. Ainsi, le temple de Delphes rivalisa avec ceux de Thrace. Sa fondation, due sans doute à quelques prêtres novateurs, fut attribuée par une métaphore poétique à la divinité qui l'avait inspirée. Alors, il se forma une espèce de schisme. Un schisme, c'est une confusion, et il y eut deux cultes, celui des Thraces, consacré à Bécéus et Cérès, ou Dionysos, l'esprit divin,
et Déméter, la terre-mère. Eh ben, dis donc. D'accord ? Et Dionysos, c'est pareil, hein. Dionysos, c'est une autre appellation d'Osiris. Voilà. Parce que tout cela, les Grecs, c'était déjà en contact avec l'Égypte. Bon, je continue. Ensuite, celui des Grecs proprement dit, consacré au soleil et à la lune, adoré sous le nom d'Apollon et de Diane, c'est à ce schisme qu'on doit rapporter la fameuse dispute qui se leva, dit-on, entre Bacchéus et Apollon au sujet de la possession du trépied de Delphes. La fable poétique tissue à ce sujet fut faite pour conserver... Bon, ok, sincèrement, on va avancer, parce que là, moi, je ne vois pas l'intérêt pour nous de lire tout ça. Alors, on a vu, on a compris, donc voilà, donc ça, c'est ça qui nous intéresse. Les vers dorés de Pythagore. C'est pour ça qu'on est là. Donc ici, vous avez les vers dorés de Pythagore en grec, d'accord ? Ok ? Maintenant, on va essayer de, comment dirais-je, on va vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important ça. Pourquoi est-ce que nous lisons et on va comparer deux auteurs. Alors, bougez pas, j'en ai pour 2 secondes. Alors, ok, donc on va vous montrer pourquoi est-ce que cet ouvrage nous intéresse tant. Alors, ouvrage, super, c'est pas grave, hop. Donc, voilà. Alors ici, alors dans cet ouvrage, donc là on est dans un ouvrage qui est beaucoup plus récent. D'accord ? Voilà, ici, on a bien dit que les vers dorés de Pythagore contenaient d'une manière succincte l'initiation au grand mystère. Voilà, c'est l'initiation au grand mystère. Ça vient du livre. Donc, c'est un autre ouvrage qui est intitulé Isis dévoilée ou l'égyptologie sacrée, dans lequel maintenant nous sommes en 1891. Et on nous explique dans cet ouvrage-là que les vers dorés de Pythagore, que nous allons lire, contenaient d'une manière succincte l'initiation au grand mystère, voilà. Et il rajoute, mais nous ne le pensons pas, d'accord ? Ces vers, comme le lecteur va pouvoir lui-même s'en convaincre, exposent tout simplement une partie de la doctrine religieuse, de la morale des Égyptiens. Eh oui. Mais vous voyez dans l'ouvrage ici, on ne va pas nous dire ça. On ne va pas nous le dire. Parce que l'auteur qui écrit « Isis dévoilée ou l'égyptologie sacrée », cet ouvrage-là est écrit pour corriger la médiocrité occidentale, c'est-à-dire qu'en gros, l'auteur est en train d'expliquer à ses compatriotes que non, vous vous êtes trompé sur la spiritualité égyptienne, je vais vous dire ce qu'il en est réellement. Ça, c'est l'objet du livre « Isis dévoilée ou l'égyptologie sacrée ». Et c'est effectivement ici, d'accord ? Voyez ? Donc, je vais lire le paragraphe, là, hein, celui-ci, pour que vous voyez de quoi il parle. « Ces vers, comme le lecteur va pouvoir lui-même s'en convaincre, exposent tout simplement une partie de la doctrine religieuse et de la morale des Égyptiens, c'est-à-dire nos ancêtres. Sous la double forme exotérique, mais ils ne font rien connaître de la grande initiation. La grande initiation est réservée aux Noirs. On ne divulgue pas, donc c'est pour ça qu'il met, mais ils ne font rien connaître de la grande initiation. Nous en faisons juge le lecteur. Les voici en effet d'après la traduction de Fabre d'Olivet, donc c'est le livre de Fabre d'Olivet que nous sommes en train de lire, que nous allons lire après, qui a eu soin de nous dire, j'ai suivi dans ma traduction le texte grec
tel qu'il est rapporté en tête du commentaire d'Hiéroclès, commenté par le fils Casaubon et interprété en latin par J. Curterius, édition de Londres, 1673. Voilà. OK ? Donc, ça ici, c'est le texte écrit en grec que vous avez à l'écran, qui pour nous est lisible. Et maintenant, on va voir la traduction de Fable d'Olivet en français. Les vers dorés des pythagoriciens. Alors, on va aller voir ce que c'est que des pythagoriciens. Au sens white du thème, hein, du terme plutôt. Alors, tac, pythagoricien, c'est quoi des pythagoriciens? On désigne par pythagoricien un membre de l'école philosophique de Pythagore. Donc, c'est une école de pensée, d'accord, philosophique de Pythagore, incluant entre autres Philolaos et Crotone. Voilà. OK? Donc, nous revenons. Donc, voilà. Et là, pour nous, c'est parti. Donc, on va avoir besoin de la réflexion de tout le monde. Parce qu'on va non seulement lire le texte, mais on va essayer de l'interpréter. La première partie du texte, c'est la préparation. Ce que nous allons lire ce soir, il faut savoir que Pythagore et tous ses disciples, Pythagore, lui, a appris ça par cœur, a été enseigné avec cela en Égypte, avec cela et autre chose qu'on n'a pas malheureusement, mais que Pythagore, pour être initié, a dû apprendre ce texte par cœur. Voilà. OK ? Donc, ça se divise en trois parties. Première partie, la préparation. Deuxième partie, la purification. Et troisième partie, je crois que c'est la perfection, on va aller chercher. Troisième partie, Alors, troisième partie, voilà, c'est ça la troisième partie. La perfection, c'est ça, j'avais raison. Alors, je vais revenir là, voilà, donc. Alors, tout le monde va bien, c'est nickel. Donc, on démarre avec la préparation, ouais. Fétiche, avant que tu commences, je voulais juste signifier comment ils peuvent penser que les Grecs, d'un seul coup, se sont réveillés avec l'ensemble de ces concepts, finalement, de ces pratiques philosophiques et ces pratiques cultuelles, sans en avoir eu une référence importante par l'exemple qui leur a été donné par l'Égypte. Comment on peut penser que toutes ces concepts philosophiques n'ont pas pris naissance dans le berceau des Grands Lacs? C'est impossible. C'est là où sont les humains, initialement. Donc, j'ai l'impression de lire des textes fétiches qui sont des textes universels au sens où les Blancs l'entendent. C'est eux qui sont à l'origine de tout. Ils ne sont à l'origine de rien, malheureusement. Rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est parti. Alors, là, je préviens tout le monde dans le chat, n'hésitez pas à venir sur le panel, parce que là, pour le coup, on va juste essayer de comprendre les textes, d'accord? Donc, il faut vous mettre dans l'esprit que ce sont des hommes noirs qui écrivent ça, hein. Les Grecs, ils ne savent pas écrire. Donc, première partie, la préparation, je cite. « Rends aux dieux immortels le culte consacré. Garde ensuite ta foi. » Révère la mémoire des héros bienfaiteurs, des esprits demi-dieux. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire, Jutoka? Ben, ils ont l'air
de porter sur un piédestal comme un prérequis d'avoir une l'existence ou d'être qui dépasse l'être humain, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, ils ont l'air de en préparation, de dire que il y a des êtres qui sont plus au courant que que nous mortels. Ouais, mais quand ils disent rend aux dieux immortels le culte consacré, ils parlent de qui? Il rajoute, garde ensuite ta foi. Alors, je ne pense pas qu'en grec, au sens, en hiéroglyphe, c'est le mot foi qui est utilisé, je ne pense pas. Mais bon, peu importe. Garde ensuite ta foi, révère la mémoire. Qu'est-ce qu'ils veulent bien pouvoir dire? Rends aux dieux immortels le culte consacré. Garde ensuite ta foi, révère la mémoire. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Bonsoir, Ethiopia. Salut, Fétiche. Salut, Gaulliste. Alors, qu'est-ce que ce texte inspire, Ethiopia? Ouais, ça a l'air compliqué, là. J'essaie de comprendre, là, mais... Hein? Tu as raison, Ethiopian, Talo. Ça peut sembler compliqué parce que justement, ce que j'ai compris moi des différentes sessions de traduction de hiéroglyphes auxquelles j'ai pu participer ou d'hiérotique, c'est que les écrits africains font toujours, il y a toujours un double sens, il y a toujours quelque chose d'un sens caché, il y a toujours une histoire à comprendre. Alors, attends. Le mot immortel signe l'appartenance à l'Afrique, tout comme les héros bienfaiteurs. Les locaux, c'est les malfaiteurs qui célèbrent. Bon, ça, c'est vrai. Il parle des ancêtres dont il faut honorer. C'est possible hein, qu'il soit question ici des ancêtres. Et en fait, pour moi, il y a deux hypothèses. Rend aux dieux immortels le culte consacré. Les dieux immortels peuvent être Aseta et Ousaré, donc Isis et Osiris. D'accord ? Ou nos propres ancêtres. D'accord ? Garde ensuite ta foi, révère la mémoire. Révérer la mémoire, c'est honorer la mémoire, non ? Non ? Alors, révérer, ça veut dire traiter avec le plus profond respect, montrer une grande révérence pour quelqu'un ou quelque chose. Donc, révérer, c'est témoigner le plus grand respect. Mais à qui doit-on témoigner le plus grand respect? À nos parents, à nos ancêtres? Parce que si tu ne peux pas témoigner le plus grand respect à tes parents et à tes ancêtres, tu ne peux pas avoir la prétention de témoigner le plus grand respect à Dieu. Non ? On n'est pas d'accord ? Garde ensuite la foi. Révère la mémoire. Alors, j'aimerais bien aller au petit 2, là. Vous voyez ? Parce que le petit 2, là, il me chauffe. On va aller essayer de trouver le petit 2. Là, on est page 185. Alors, le petit 2, ça me ramène ici. Ça veut dire « Rends aux dieux immortels le culte consacré. » Ok. Garde ensuite ta foi. C'est bizarre. Bon, on va revenir au 185.
185. Bon, ça c'est typiquement un texte où on a besoin de gens qui vont raisonner sur le truc. Ok, alors, donc, rend aux dieux immortels le culte consacré. Donc ça, c'est soit nos ancêtres, soit nos parents. Mais moi, je prône plutôt pour soit les ancêtres, les membres de notre famille, de nos familles qui ne sont plus là, ou à Seta et Osiris. Garde ensuite ta foi, révère la mémoire des héros bienfaiteurs, virgule, des esprits demi-dieux. Donc on parle bien de révérer des esprits demi-dieux. Mais alors, c'est quoi des esprits demi-dieux? Ben, c'est nos anciens. Tu ne crois pas? Eh oh là, il y a du monde ou je suis tout seul? Oui, non, Fétiche, je suis comme toi, je suis en train de m'interroger. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est la traduction qui est faite et c'est remouliné dans le paradigme européen, quoi. Donc, oui, mais là, c'est à nous. C'est facile, je pense que le mot foi n'existait pas chez nous. Tu vois. Moi, je pense que là, ici, garde ensuite soit la confiance ou il faut trouver un autre terme, mais ce n'est pas le mot foi. Révère la mémoire, je pense que c'est dans le texte. Des héros bienfaiteurs, des esprits demi-dieux. Des esprits demi-dieux, pour moi, c'est nos ancêtres. Aseta ne peut pas être demi-dieu, Osiris non plus. Donc ça, ici, on est dans l'ancestralisme, là, pour moi. Non ? Bah écoute, déjà, regarde, c'est des traductions de traductions. Hein, donc c'est... Non, mais tu es obligé de faire avec ce que tu as. Sinon, on ne lit rien. Oui, mais tu sais bien que chaque mot a un sens. Voilà, donc, je suis d'accord, mais toute façon, il ne peut pas travestir le mot esprit. D'accord ? Il ne peut pas travestir le mot Dieu, immortel, culte, consacré. Garde, ensuite, il peut travestir le mot foi. Voilà, révéré, mais c'est... Il peut le travestir, mais le sens va rester le même. La mémoire, il ne peut pas travestir. Héros bienfaiteur, il ne peut pas travestir. Peut-être héros, d'accord ? Mais le sens fondamental est le même. Donc, si tu veux, le seul mot qu'il peut travestir là dans le texte, c'est foi. C'est le seul mot que véritablement il peut avoir travesti. Mais de toute façon, on comprend le sens du texte. Oui. Même avec le mot foi, on comprend à quoi on fait référence. Est-ce que dans nos langues africaines, ça existe d'avoir la foi ou pas ? Non. Tu peux avoir confiance. Tu vois ? Moi, je ne vois pas le mot foi en bamileke, ça n'existe pas. Tu as confiance en quelque chose. Mais ça ne change rien. Garde ensuite cette confiance. Ok, mais ça ne change rien à la lecture. Ok, tu peux remettre ici, garde ensuite cette confiance. Voilà. Rends aux dieux immortels le culte consacré. Garde ensuite cette confiance, révère la mémoire, cette confiance ou cette force. Tu vois ? Révère la mémoire des héros bienfaiteurs, des esprits demi-dieux. Voilà. Pour moi, ici, des esprits demi-dieux, c'est nos ancêtres. Tu sais pourquoi je dis que c'est nos ancêtres, ça ? Parce que quand on a fait le live sur le livre de la vie après la mort, on retrouve ça. On retrouve la pensée de cet ouvrage-là. Bah, putain, dans le chat, ça bosse pas du tout. Mais vous foutez quoi, les mecs, là ? Vous êtes avec vos pop-corns, là, ou c'est comment ? Alors, attends. Tamiri nous dit... Le mot immortel signe l'appartenance à l'Afrique, tout comme les héros, bienfaiteurs, les locaux, c'est les malfaiteurs qu'ils célèbrent. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je trouve son expression à Camry, je la trouve pas mal. Hein, c'est que les Tamous auraient un culte pour les malfaiteurs. Bah oui. C'est la vérité. Ça me fait assez rigoler. Elle est pas mal l'expression. Hein, ouais. Mais ils ont un culte pour les malfaiteurs, c'est vrai.
Bah, c'est sûr, hein, quand je vois le nom de leur rue, leur nom de leur de métro, leur nom de leur place, je me dis, mais ils les collectionnent, les malfaiteurs. Hein. Ouais. Tu vois. Donc, à un moment donné, faut se... Tu vois. Bonsoir, Panthère. Bonsoir, Fétiche. Tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. Ah, super, super, super. Ah, le live... bonsoir, Judoka. Bonsoir. Salut, Panthère. Ouais, le live, le sujet est très important, hein. Mais ça demande beaucoup de réflexion, quoi. Ça demande qu'on pousse le raisonnement un peu plus. Il faut qu'on élève le niveau, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Et si tu me permets, Fétiche, par rapport au live que tu as fait précédemment sur l'égyptologie sacrée, Isis dévoilée ou l'égyptologie sacrée. Mm-hmm. Et après le live, j'ai continué à lire la documentation. Ouais. Et je suis arrivé à la page 297, d'accord, où il est dit, en ce qui concerne la cosmogonie égyptienne, le monde était composé d'après celle-ci de quatre éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, qui répondaient au quaternaire sacré. Mais ensuite, ces quatre éléments se dédoublaient à leur tour pour former un nouveau quaternaire et les deux réunis, ou huit, étaient l'expression de la loi naturelle et primitive de l'univers. Mm-hmm. Et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je crois que tu parlais d'une version qui est venue corriger une autre. Ouais. Et je voulais savoir, c'est laquelle version qui est venue corriger ce qui a été dit avant. Oui, en fait, dans le livre Isis dévoilée, l'égyptologie sacrée, l'auteur explique que le texte que nous sommes en train de lire là, c'est un texte, le texte de les vers dorés de Pythagore est un texte égyptien. Alors que dans l'ouvrage que nous sommes en train de lire là, l'auteur semble dire que c'est une production poétique de Pythagore. D'accord, d'accord. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure, la page 297, parce que je suis aussi en train de lire sur les divinations Ifa. Ouais. Et dans les divinations Ifa, il nous parle exactement du principe de l'eau, le feu, l'air et la terre. Ok. Mais il y a une contradiction qui se pose. Sacré, au niveau du dédoublement. C'est-à-dire qu'il y a quatre éléments. Voilà, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et il dit que ces quatre éléments se dédoublaient. Mais ils expliquent le dédoublement. Mm-hmm. Voilà, dans cette version d'Isis, mm-hmm. le dédoublement se fait, il suppose, il considère que ces entités sont hermaphrodites. Ouais, tu t'éloignes pas un peu de notre texte là, Panthère, franchement, parce que... Non, ça revient. Je sais pas si vous prêtez attention, vous allez me comprendre. Donc, ouais. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que Fétiche, comme tu l'as toujours si bien dit, on doit faire attention à les textes que nous lisons. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait une étude comparative avec ce que j'ai lu dans les divinités Ifa, et il ne parle pas d'être hermaphrodite. Il n'y a pas d'être hermaphrodite dans notre spiritualité. Donc, c'est pour dire que la traduction du texte est vraiment questionnable. C'est-à-dire que les principes qu'il nous explique, on doit essayer de trouver une autre source pour essayer de comparer et retrouver la vérité. Voilà, parce que dans la divinité Ifa, il nous parle de Dieu a créé, Dieu a fait des choses de telle enseigne que ils sont toujours associés en deux, en couple, mâle, femelle, voilà, le bien, le mal, des trucs comme ça. Mais les Occidentaux vont nous parler des êtres hermaphrodites qui n'ont rien à voir avec ce que les ancêtres faisaient. Donc, c'était une parenthèse par rapport
au texte que nous lisons et que parfois nous devons... Parce que j'ai lu une autre source qui parlait exactement... Attends, mon frère. Là, honnêtement, exactement. Moi, là, t'es en train de me perdre. Toi, on lit un truc, faut qu'on reste sur ce texte. Là, tu nous emmènes dans des trucs que personne ici n'a lu ce que t'as lu. Donc, comment... Tu vois, en fait, on sort trop du truc. Là, on fait de l'analyse de vraiment verset par verset. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah, je te comprends parfaitement, Fétiche. Là, tu m'emmènes sur un truc, moi, ça me sort du texte. J'arrive plus à réfléchir là-dessus. D'accord. Là, on fait de l'analyse de texte pur. Donc, tu peux pas parler d'autre chose. Je sais pas si tu comprends. Non, je te comprends parfaitement. C'est parce que tu... On essayait de comprendre... attends, je monte mon écran là, si je peux lire où tu étais là tout à l'heure. Voilà. Préparation. Rends au Dieu immortel le culte consacré. Garde ensuite ta foi, revers la mémoire des héros bienfaiteurs, des esprits demi-dieux. Et tu demandais si on parlait là de nos ancêtres. Oui, la question c'est, est-ce qu'on parle de Isis et Osiris, donc on peut dire les dieux, ou est-ce qu'on fait référence à eux, ou est-ce qu'on fait référence, parce que de toute façon l'Égypte était monothéiste, ou est-ce qu'on fait référence à nos ancêtres, parce que individuellement nous avons des centaines de milliers d'ancêtres pour arriver à Dieu avant nous. On a même probablement des centaines de millions, peut-être, j'en sais rien. Et donc, quand il dit « Rends aux dieux immortels le culte consacré, garde ensuite ta foi, révère la mémoire des héros, bienfaiteurs, des esprits demi-dieux. » Donc, esprit demi-dieu, c'est nos anciens, voilà, tu vois. Ouais. Non, je te comprends parfaitement. Je vais répondre à cela en apportant ce que j'ai lu dans les divinités Ifa qui parle exactement aussi des dieux immortels, si tu me permets. Ouais. C'est pas long. Un rituel jetant les bases d'une relation profonde avec les facteurs fondamentaux déterminants du système de connaissance, de développement spirituel et des divinations Ifa d'origine Yoruba. Le principal d'entre eux est l'ori, l'essence immortelle de soi, incarnant le potentiel ultime de l'individu. Le dialogue avec les ori est facilité par l'engagement avec Odu, les identités de toutes les possibilités d'existence dans leur myriade d'interactions. Ce processus dialogique est ancré dans la possibilité d'existence permise par Olodumare, réalité ultime et créateur ultime opérant à travers l'orisha. Négligeant et aidant dans cette dynamique entre les aspects du soi sont ceux qui ont parcouru ce chemin, les ancêtres qui sont appelés à aider l'aspirant. Donc tu as raison. Ouais. Non, ça revient à ce que tu as dit. On parle là de nos ancêtres. C'est ça. Alors, il y a Black Warrior. Alors, attends, il y a Tamery qui dit « On voit bien que la bonté de l'âme est ici mise en avant. Aussi mal traduit que puisse être le texte, le fond ne s'apparente pas à leurs us et coutumes. » On est totalement d'accord. Ensuite, il y a Black Warrior qui nous dit « Les dieux égale les Netherus. Force de l'univers divinisé, la foi égale la confiance, les esprits demi-dieux, les ancêtres bienfaiteurs, exemple Toussaint Louverture, de Saline, sont des demi-dieux. » Voilà. Donc et il faut retenir le mot demi-dieu parce qu'on va le retrouver après. Donc, est-ce que nous pouvons considérer que les esprits demi-dieux, ce sont nos ancêtres méritants? Ou bien l'essence immortelle. Alors, je vais répondre à Kange Umba. Non. Là, ce sont des Noirs qui parlent. Ce ne sont pas des Occidentaux qui ont écrit ce texte, hein, Kange Umba. Hein. Ils l'ont traduit dans leur langue, c'est vrai. On a le mot foi qui apparaît, alors que je pense que c'est la confiance. Mais ça, c'est un texte négro-africain. Donc, est-ce qu'on peut valider le fait que les esprits demi-dieux,
Parce que si c'était Dieu, ils auraient dit les dieux. Donc s'ils avaient dit les dieux, on ferait référence à Aseta, à Osiris. Mais les esprits demi-dieux, ce sont pour moi les ancêtres. Est-ce que vous validez ? Un, vous validez. Zéro, vous avez un doute. Allô ? Bon, moi, je valide. Hein. Je pense que ce sont les ancêtres. Alors, donc, on nous dit, oui, nos ancêtres divinisés pour Nako Betayo. D'accord ? Bon, on continue. Donc, la purification. Point numéro 2 du texte initiatique de Pythagore. D'accord ? Sois bon fils, frère juste, époux tendre et bon père. Eh bah, dis donc. Eh bah, dis donc. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça, époux tendre ? Les fétiches de guerre anciens, là. Sois bon fils, frère juste, époux tendre et bon père. Époux tendre, là, ça vous fait penser à quoi ? Vous savez à quoi ça me fait penser, moi ? On est 6 siècles avant Jésus-Christ. Et c'est en 1804. En 1804, une loi va sortir en France pour décréter l'incapacité juridique des femmes occidentales. Et en 6 siècles avant Jésus-Christ, nous on dit qu'il faut être un époux tendre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du décalage. Hein ? Je suis seul à me rendre compte du décalage là ou c'est comment ? Oui, mais tout ça pour dire que ça ne vient pas d'eux, comme l'a dit un de nos fétiches de guerre. C'est des textes qu'ils s'attribuent, mais qui n'ont aucune réalité historique dans leur trajectoire collective. C'est tout. On est d'accord. C'est aussi simple que ça, fétiche. Il n'y a pas de. On voit bien qu'ici, ils ne sont pas du tout époux tendres. Ils ne font. Rien, regarde les droits des femelles, et j'inviterai tous les fétiches de guerre nouveaux à aller voir ces 6 heures ou 7 heures de live sur le droit des femelles en Occident. C'est 2000 ans de calvaire, fétiche. Hein. Mm. En passant par être une chose, ensuite par être jeté à la naissance parce que vous n'étiez pas du bon sexe, être maltraité après juridiquement, ne pas avoir le droit de divorcer, tout ça, c'est des siècles d'humiliation. Et c'est là où vous comprenez historiquement des femelles énervées qu'on appelle les féministes qui s'en prennent à tout mâle qui conteste leur nouveau droit de cité, quoi, tu vois. Donc, ok. Voilà. On continue. Donc, sois bon fils, frère juste, époux tendre et bon père, choisis pour ton ami l'ami de la vertu. Choisis pour ton ami l'ami de la vertu, cède à ses doux conseils, instruis-toi par sa vie. Et pour un tort léger, ne le quitte jamais, si tu le peux du moins, car une loi sévère attache la puissance à la nécessité. Il t'est donné pourtant de combattre et de vaincre tes folles passions. Apprends à les dompter. Sois sobre, actif et chaste. Évite la colère. En public, en secret, ne te permets jamais rien de mal. Et surtout, respecte-toi toi-même. Ne parle et n'agis point sans avoir réfléchi. Sois juste. Souviens-toi qu'un pouvoir invincible ordonne de mourir. Que les biens, les honneurs, facilement acquis, sont faciles à perdre. Et quand Zomo MAUX qu'entraîne avec soi le destin, juge-les ce qu'ils sont,
supporte-les et tâche autant que tu pourras d'en adoucir les traits. Les dieux, au plus cruel, n'ont pas livré les sages. Les dieux n'ont pas livré les sages au plus cruel. Comme la vérité, virgule, l'erreur à ses amants. Le philosophe approuve ou blâme avec prudence. Et si l'erreur triomphe, il s'éloigne, il attend. Écoute et grave bien en ton cœur mes paroles. Ferme l'œil et l'oreille à la prévention. Crains l'exemple d'autrui. Pense d'après toi-même. Pense d'après toi-même. Crains l'exemple d'autrui. Crains l'exemple d'autrui. Pense d'après toi-même. Consulte, délibère et choisis librement. Laisse les fous laisse les feux agir et sans but et sans cause. Tu dois, dans le présent, contempler l'avenir. Fétiche ? Ouais. Il y a quand même des instructions là, qui sont données, et je trouve que certaines de ces instructions est ce que nous essayons de faire au sein des fétiches de guerre. Par exemple, tu dois être dans le présent et contempler l'avenir. Donc nous, on fait nos lives pour l'avenir, pour les jeunes qui sont c'est l'avenir. Ça. Hein. C'est ça. Crains l'exemple d'autrui. Bah, c'est ce qu'on fait en regardant dans le rétroviseur de l'histoire. Hein. C'est ça. Que ce soit notre histoire ou que ce soit l'histoire des Tamouls. Pense d'après toi-même. Ça, c'est quelque chose que le noir ne fait plus depuis l'esclavage, malheureusement. C'est ça. Mais on en comprend le contexte. Hein. Dès qu'il pensait par soi-même, on le tuait. Donc nous avons des mauvais réflexes qui nous restent de ces époques. Moi, je trouve que les quelques mots-là, les quelques lignes que tu viens de citer sont carrément presque la description et la raison d'être des fétiches de guerre et même du mouvement panafricain. Je suis d'accord. Alors, je vais finir le paragraphe. Ce que tu ne sais pas, ne prétends point le faire. Instruis-toi. Tout s'accorde à la constance, au temps. Veille sur ta santé, dispense avec mesure, au corps les aliments, à l'esprit le repos. Trop ou trop peu de soins sont à fuir, car l'envie, à l'un et l'autre excès, s'attache également. Le luxe et l'avarice ont des suites semblables. Le luxe et l'avarie ont des suites semblables. Il faut choisir en tout un milieu juste et bon. Il faut choisir en tout un milieu juste et bon. Que jamais le sommeil... Ah non, ça c'est la perfection. Bon, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de fétiches de guerre hein, dans ce que nous sommes en train de lire. Là, hein. L'air de rien. Hein. Il y a énormément. Hein. Et je trouve que ces écrits que l'on peut attribuer aisément à la tradition africaine, nous recherchons ce que c'est d'être africain. Et je trouve que ces quelques mots nous donnent quelques pistes. Hein. Et regardez ce qu'il dit. Crains l'exemple d'autrui. Pense d'après toi-même. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Les formations de Philippe Simo. Vous savez ce qu'ils en pensent, nos ancêtres ? Hein ?
crains l'exemple d'autrui. Pense d'après toi-même. Hein? Consulte, délibère et choisis librement. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Réfléchissez comme des juges d'instruction. Instruisez à charge, instruisez à décharge. Ensuite, prenez une décision, on le dit souvent ici. Bref. Mais c'est un très beau texte, hein. C'est un très très beau texte. Hein. C'est un très très beau texte, je trouve. Cette partie-là est vraiment... quelque part, ça nous conforte et ça nous consolide dans notre action, fétiche, ça. Ce deuxième paragraphe-là. Et lui, ça s'appelle comment, ce deuxième paragraphe, déjà ? Ça s'appelle la... La préparation. La préparation, voilà. Bah, c'est exactement ça, fétiche. Hein. C'est préparer les esprits à l'action. Hein. Réa, crains l'exemple d'autrui, pense d'après toi-même. En gros... Ne crois pas. Ne crois pas. Mm. Eh oui, pense d'après toi-même. Je ferai remarquer, comme certains le font sur le chat, c'est tout le contraire qu'on nous apprend dans les écoles occidentales. Exactement. On va nous dire que Keynes a raison, que Adam Smith, l'œuvre invisible, c'est le Dieu, au lieu de penser à raisonner... sur la base de ton expérience, de ton vécu et de l'expérience des autres aussi, bien entendu. Ouais. Mais penser par soi-même, c'est clé. Hein. Mais attends, c'est la clé. Et en plus de ça, aujourd'hui, si tu penses par toi-même, qu'est-ce qu'on va dire de toi ? T'es un complotiste ! T'es un complotiste ! Mmh. Tu penses par toi-même, t'es un complotiste ! Alors, on essaie de te ridiculiser, de te ostraciser. Tu es un empêcheur de tourner en rond. Mais pour les Africains, je peux vous dire que les jeunes Africains qui sont présents là sur les fétiches de guerre, ces mots, c'est du lait. Hein. Pensez par vous-même, c'est la première chose. Alors, je ne vous dis pas de vous mettre en opposition à tous vos professeurs qui, malheureusement, sont eux aussi des personnes, entre guillemets, endoctrinées. Recrochez-leur les savoirs qu'ils pensent vous avoir... coloniser votre cerveau, hein, et penser par vous-même. Allô ? Ouais, Panthère. Oui, fétiche, je voulais ajouter le passage que tu viens de lire, il est vraiment très très puissant. Mm-hmm. Et là-dedans, on retrouve en quelque sorte des recommandations, des principes de vie, comment il faut vivre au quotidien. Et je retrouve aussi voilà certains éléments de l'art de la guerre de Sun Tzu. On a énuméré l'espace et le temps. Le temps a été mentionné. Donc je trouve que vraiment le texte avec ça, pourquoi aurions-nous besoin de la Bible ou bien du Coran? Mais ça, ce sont des modes de vie qui demandent que voilà on revienne en soi, on fait les choses de soi. Sans que un individu tel que Yeshu Bar Yosef vienne nous donner les règles, il vienne nous imposer les règles de vie, voilà, que leur désir les inspire. Tu vois? Donc, c'est vraiment, c'est super. C'est super. Je suis d'accord avec toi. Vous voyez, ici, dans ce texte-là, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de prophète. Il n'y a rien. On parle à vous. Il n'y a pas de Yeshu Bar Yosef, comme vient de dire le frère. Il n'y a pas de sauveur, là. On ne dit pas que votre vie est une malédiction, qu'il faut prier 20 fois par jour, qu'il faut passer 4 mois sans manger. Rien. On vous demande d'être intelligent, critique, et de penser par vous-même. Mais on vous demande aussi autre chose. Alors, écoute, ferme, laisse les agir et sans but et sans cause. Ce que tu ne sais pas, ne prétends point le faire. Instruis-toi. C'est marqué là, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Combattre notre ignorance, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Voilà.
Veille sur ta santé, dispense avec mesure au corps les aliments, à l'esprit le repos. Voilà, on est dans l'équilibre en toutes choses. Trop ou trop peu de soins sont à fuir, car l'envie, virgule, à l'un n'est l'autre excès, s'attache également. Voilà, ensuite on dit le luxe, voyez, le luxe et l'avarice ont des suites semblables. Le luxe et l'avarice ont des suites semblables. Voilà, la luxure, l'avarice ont des suites semblables. C'est juste... Regardez, je termine. Il faut choisir en tout un milieu juste et bon. C'est, moi, j'ai l'impression que le combat d'un être humain, c'est celui du bon équilibre en toute chose dans sa vie. Ne jamais être en excès pour quoi que ce soit. C'est ce que moi, je comprends. Je sais pas vous, hein. Bah, chacun va comprendre un petit peu sur la base de son vécu, ouais. Ouais, de son vécu, des thèmes qui sont moins écoutés. J'ai 55 ans, je regarde avec délectation l'ensemble de ces points. Et sur chacun des points, tiens, je me dis, est-ce que j'ai fait bien là? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai... Voilà, et il me reste un petit peu à vivre. Et ben, je vais essayer de m'améliorer et puis de faire en sorte... comme Kamao nous l'avait dit, hein, d'essayer d'être chaque jour la meilleure version de soi-même. Exact. Exact. Oui, tu peux peut-être redire qui était Kamao. Hein. Qui est Kamao? Kamao, c'est notre petit frère de 23 ans qui étudie en gabonais en France. Voilà. S'assurer d'être chaque jour la meilleure version de soi-même. Nous attaquons la page 183, la perfection. Vous voulez être parfait selon nos ancêtres? Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Que jamais le soleil ne ferme ta paupière. Le sommeil. Sans... Que jamais le sommeil ne ferme ta paupière sans t'être demandé qu'ai-je omis? Qu'ai-je fait? Ah, c'est intéressant ça. Si c'est mal, abstiens-toi. Si c'est bien, persévère. Médite mes conseils. Aime-les, suis-les tous. Aux divines vertus, ils sauront te conduire. J'en jure par celui qui grava dans nos cœurs la tétrade sacrée, immense et pur symbole, source de la nature et modèle des dieux. Mais qu'avant tout, ton âme a son devoir fidèle. Invoque avec ferveur ces dieux, dont les secours peuvent seuls achever tes œuvres commencées. Instruit par eux, alors rien ne t'abusera. Des êtres différents, tu sonderas les sens. Tu connaîtras de tout le principe et la fin. Tu sauras, si le ciel le veut, que la nature, semblable en toute chose, est la même en tout lieu. En sorte qu'éclairé sur tes droits véritables, ton cœur de vains désirs ne se répétera plus. Tu verras que les maux qui dévorent les hommes sont le fruit de leur choix et que ces malheureux cherchent loin d'eux les biens dont ils portent la source. Peu savent être heureux, jouets de leur passion, jouets des passions, tour à tour ballottés par des vagues contraires sur une mer sans rive. Ils roulent aveuglés, sans pouvoir résister ni céder à l'orage. Dieu,
les sauveriez en désillant leurs yeux. Désiller leurs yeux, c'est ouvrir leurs yeux. Mais non, c'est aux humains dont la race est divine. Je ne pense pas que c'était le mot race. Hein. Je pense dont l'essence est divine, à discerner l'erreur, à voir la vérité. La nature les sert. Toi qui l'as pénétré, homme sage, homme heureux, respire dans le port, mais observe mes lois en t'abstenant des choses que ton âme doit craindre, en les distinguant bien, en laissant sur le corps régner l'intelligence, afin que, t'élevant dans l'éther radieux, au sein des immortels, tu sois un demi-dieu toi-même. Fin de citation. Fétiche ? Ouais. Moi, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est pas un texte d'obédience européenne, c'est que la nature, plusieurs fois, il la cite, au 36, dans la page d'avant, ils indiquent qu'il faut se soumettre à ces lois. Hein. Donc, il n'y a rien plus haut que la nature. Donc, ça, c'est typiquement africain. Ça. Totalement. Ça n'existe pas en Europe. Hein. Exactement. Ça, c'est une excellente remarque. Les Européens n'en ont rien à faire de la nature. Hein. Allez voir dans la Bible ce qu'on dit sur la nature. Ah oui, elle doit être soumise, utilisée pour... la fin justifie les moyens. Hein. Et puis, si on doit sacrifier des territoires, des lois naturelles, on n'en a que faire. Après moi, le déluge. Hein. Exactement. Donc, Et c'est ce en quoi, en fait, sur la base de ce que j'ai compris, je ne dis pas que j'ai tout compris de ce qu'est être africain, hein. Mais c'est un des éléments fondamentaux qui nous distingue de l'européen fétiche. Hein. C'est, On est d'accord, Judoka, il faut qu'on revienne sur le texte. Il faut qu'on revienne là-dessus. Il faut qu'on revienne sur les versets. Oui, le texte, attends, je vais te le citer là. En gros, que jamais le sommeil ne ferme ta paupière sans que tu t'aies posé des questions sur ce que tu as fait dans la journée de bien ou de pas bien. Sans que tu aies une introspection. Ah oui. Bah oui. Et c'est cette introspection qui te mèneront aux divines vertus. C'est ce qui est marqué là. Aux divines vertus, ils sauront te conduire. Ces conseils qui sont d'avoir une introspection quotidienne sur soi. Je peux te dire que chez les Blancs, ça n'existe pas, ça. Non. Moi, je le fais tous les jours, ça. Je consacre au moins 10 minutes, un quart d'heure à rebalayer toutes les actions que j'ai faites dans la journée. Bon, le texte, on l'a terminé. Maintenant, nous allons voir la description. Un texte comme ça, passer au cerveau, qui passe dans le cerveau d'un occidental, ça donne quoi ? Maintenant, on a l'examen. Des vers dorés, explication et développement. Alors, les anciens avaient l'habitude de comparer alors tout ce qu'ils jugeaient sans défaut et beau par excellence. Ainsi, par l'âge d'or, ils entendaient l'âge des vertus et du bonheur, et par les vers dorés, les vers où la doctrine la plus pure était renfermée. Eh oui. Alors, quand ils disent les anciens, ils parlent des Grecs. Là, pour l'auteur, là, qui s'appelle Fabre d'Olivet, je pense qu'il fait référence aux anciens. D'accord ? Donc, ils attribuaient constamment ces vers à Pythagore, non qu'ils crussent que ce philosophe les eût composés lui-même. Eh oui, voyez,
Ils savent que ce n'est pas Pythagore qui a composé ce texte. Voilà. Ils attribuaient constamment ces vers à Pythagore, non qu'ils crussent que ce philosophe les eût composés lui-même, mais parce qu'ils savaient que celui-ci, que celui de ses disciples dont ils étaient l'ouvrage, y avait exposé l'exacte doctrine de son maître et les avait tous fondés sur des maximes sorties de sa bouche. Eh oui, donc, ça confirme bien que le texte que je viens de vous lire, Pythagore l'avait appris par cœur et récité devant ses disciples. C'est ce qui est inscrit là. Ce disciple recommandable, par ses lumières et surtout par son attachement au précepte de Pythagore. Mais est-ce qu'il est attaché au précepte de Pythagore? Mais non, il est attaché au précepte de l'Afrique. Parce que Pythagore, son maître, tire ses préceptes de l'Afrique. Voilà. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire que Pythagore l'ait récité sans comprendre. Je ne suis pas certain. Donc le disciple qui récitait les textes de son maître s'appelait Lysis. Après la mort de ce philosophe, et lorsque ses ennemis, momentanément triomphants, eurent élevé le Crotone à Mésapon, cette terrible persécution qui coûta la vie à un si grand nombre de pythagoriciens, oh là 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 là, élevé à Crétone. Alors, eurent élevé à Crétone et à Mésapon cette terrible persécution qui coûta la vie. Alors, attendez, persécution des pythagoriciens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pythagoricien? Allô, allô? Je crois qu'un pythagoricien, c'est un disciple de Pythagore. On est d'accord, mais pourquoi ils ont été persécutés? Là, je ne sais pas. Mais je peux deviner, hein. Bon, mais ce n'est pas une bonne démarche. Donc, je préfère attendre, trouver une autre source. Mais pourquoi est-ce qu'on a persécuté les pythagoriciens? Alors, Crétone, c'était en Italie. Pourquoi on les a persécutés? Ils étaient en concurrence. Ils parlaient de l'an 150 ou 200. Ils étaient en concurrence avec les premiers chrétiens, à mon avis. Hein. À mon avis, ça devait être ça. Hein. Parce que ça, c'était bien après la mort de Pythagore. Hein. Alors, 400 ans ou 500 ans après. Donc, on va lire Rapidos. À regarder, à confirmer la temporalité de ce que je dis là. Mais, Lysis de Tarente, philosophe grec, disciple et compagnon de Pythagore, nous avons peu de renseignements précis sur ce philosophe. Cependant, les divers récits, d'ailleurs si contradictoires, de la persécution et du massacre des pythagoriciens à Crotone et à Métaponte, s'accordent à dire que Lysis était parmi les pythagoriciens menacés et qu'il s'échappa. Quand ses disciples durent quitter l'Italie, Lysis alla à Thèbes, où il rencontra Philolaus et y vécut jusqu'à vers l'an 390 avant Jésus-Christ. Lysis avait composé plusieurs ouvrages, Diogène Laërce, dit formellement que trois ouvrages attribués à Pythagore étaient de Lysis, mais selon Ed Zeller, c'est à tort que Mulac, dans son édition de Diéroclès, a cru pouvoir attribuer à Lysis les vers dorés. Voilà. Donc les vers dorés n'étaient pas, les vers que nous avons lus n'étaient pas, ne provenaient pas du disciple de Pythagore, hein, d'accord? Le texte de Diogène
l'ARS n'autorise pas cette conjecture. L'opuscule lui-même est si incolore et si décousu qu'il ressemble bien plus à une collection récente de prescriptions pratiques dont plusieurs peut-être étaient depuis longtemps en circulation sous la forme métrique. On lui attribue aussi cette parole, mise par d'autres, dans la bouche de Pythagore, qu'il faut à tout prix et par tous les moyens écarter du corps la maladie de l'âme ignorante. Waouh ! Du ventre, la luxure, de la cécité, de la cité, la sédition, de la famille, la discorde, et enfin, de toute chose, l'excès. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Magnifique. Ah, vous voyez, ça, c'est pas des Occidentaux qui écrivent ça. Là, ici, nous avons exactement, en conclusion, ce que nous venons de lire dans le texte initiatique. Il faut à tout prix et par tous les moyens écarter du corps la maladie, de l'âme l'ignorance, du ventre la luxure, de la cité la sédition, de la famille la discorde, et enfin, de toute chose l'excès. C'est la conclusion, là, de ce que nous avons lu avant. Non ? Moi, ce qui me frappe, Fétiche, dans ces écrits qu'on peut ramener à la philosophie, à l'essence de la philosophie humaine et qui est la philosophie africaine, je trouve que il s'attache à l'essentiel. Alors que dans les religions, on va dire abrahamiques, ou dans tout ce qui nous est proposé par les Occidentaux, on va s'attacher à la luxure plutôt qu'au ventre. On va s'attacher à l'ignorance, aux croyances dans l'âme. On va faire dans la sédition un moyen de séparer les peuples ou les familles. Franchement, l'ensemble de ce qui nous est proposé ici est super bien ficelé, quoi. Et surtout profondément médiocre, faut le dire. Profondément médiocre. Honnêtement, je vais relire la perfection, le texte. Le texte avec la perfection. On va relire le texte sur la perfection, qui est hallucinant. Qui est hallucinant. Mais moi, c'est comme ça qu'on doit éduquer nos gamins. La perfection. Que jamais le sommeil ne ferme ta paupière sans t'être demandé qu'ai-je mis, qu'ai-je fait. Si c'est mal, abstiens-toi. Si c'est bien, persévère. Médite mes conseils, aime-les, suis-les tous. Aux divines vertus, ils sauront te conduire. Que jamais le sommeil ne ferme ta paupière sans t'être demandé qu'ai-je omis. Qu'ai-je fait ? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Si c'est mal, abstiens-toi. Si c'est bien, persévère. Médite mes conseils. On est probablement en train de lire un texte qui a 5, 6, 7 000 ans. C'est un texte initiatique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tu as des générations de nos ancêtres qui ont été initiés avec ce texte-là, avant de passer à d'autres textes. Médite mes conseils, aime-les, suis-les tous. Aux divines vertus, ils sauront te conduire. J'en jure par celui qui grava dans nos cœurs la tétrade sacrée, immense,
et pur symbole, source de la nature et modèle des dieux. Alors, la tétrade sacrée, je vais aller voir ce que ça veut dire. C'est un terme qui a été utilisé par les Grecs. Il en a parlé dans l'introduction, en fait, Fétiche. Hein. Justement, dans l'introduction, il parlait de ça. Hein. Que c'était une création grecque. Alors, le nombre 4, symbole de justice, série ou somme des 4 premiers nombres, combinaison numérique dans laquelle intervient 4 nombres ou 4 opérations particulières. Bon. Tétrade. Tétrade sacrée, immense et pur symbole, source de la nature et modèle des dieux. Ok, c'est ce qu'on est en train de lire. Tétratis de Pythagore, modèle universel des nombres, c'est ça. C'est ça. Donc, j'en jure par celui qui grava dans nos cœurs la tétrade sacrée, immense et pure symbole. Et la tétrade sacrée, ça fait penser en fait, c'est pas ça fait penser, la tétrade, comme je l'ai dans le, je suis allé sur le lien de symbolique.com, hein, ça fait penser en fait au tétraèdre 3D qui est en fait. Qui en fait les pyramides partout dans le monde que toutes les civilisations ont pu faire, et particulièrement la civilisation égyptienne. Mmh. Donc en fait, la tétrade sacrée n'a rien à voir avec une création de Pythagore. Hein. La tétrade sacrée, justement, c'est à partir de la tétrade sacrée, et c'est à partir des mathématiques du théorème de Yamessou que la tétrade sacrée est arrivée en fait. Et c'est bien 1500 ans, 2000 ans, et même beaucoup, peut-être beaucoup plus ancien que ça, par rapport à l'existence même de Pythagore. Hein. Donc, on a bien 2000 ans ou 3000 ans d'avance facilement. Hein. Ouais. Donc, la tétrade sacrée, en fait, c'est tout ce qui est lié, en fait, à la forme triangulaire et pyramidale qui a un caractère sacré. Et c'est là-dedans que tous les chiffres ont un caractère sacré, en fait. Ok. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est un modèle des dieux. Et à l'intérieur de ça, vous avez le nombre 10, vous avez Pi, vous avez le théorème de Yamessou, vous avez le nombre d'or de toutes les constructions, on va dire... De la période africaine, hein, antique, tout ça, ça a été repris par les constructeurs européens, avec justement leur cathédrale, ainsi de suite. Ok. Donc, voilà. La tétrade sacrée, immense et pur symbole, source de la nature et modèle des dieux, mais qu'avant tout, ton âme a son devoir fidèle. Invoque avec ferveur ces dieux, dont les secours peuvent seuls achever tes œuvres commencées. Instruit par eux, alors rien ne t'abusera. Des êtres différents, tu sonderas l'essence. Tu connaîtras de tout le principe et la fin. Tu sauras, si le ciel le veut, que la nature, semblable en toute chose, est la même en tout lieu. En sorte qu'éclairé sur tes droits véritables, ton cœur de vains désirs ne se répétera plus. Ne se répétera plus de vains désirs, c'est-à-dire que ton cœur ne va plus se repaître, c'est-à-dire se nourrir de désirs inutiles. Parce que tu sauras quels sont tes droits véritables. Mais tes droits véritables, c'est probablement ce pourquoi tu es né, en fait. Ce qui t'appartient dans la création. Où est ta place? Ce qui évitera que ton cœur se nourrisse de désirs inutiles. Tu verras que les maux qui dévorent les hommes sont le fruit de leur propre choix et que
ces malheureux cherchent loin d'eux les biens dont ils portent en eux la source. Peu savent être heureux. Ils sont les jouets de leurs propres passions, tour à tour ballottés par des vagues contraires, sur une mer sans rive, ils roulent, aveuglés, sans pouvoir résister ni céder à l'orage. Dieu, vous les sauveriez en désillant leurs yeux, mais non, c'est aux humains dont l'essence est divine de discerner l'erreur, de voir la vérité. La nature les sert. La nature est là pour nous aider à voir la vérité. Non seulement elle nous nourrit, mais elle est là pour nous aider à comprendre la vie finalement. Vous comprenez pourquoi est-ce que toutes nos pensées, toute la philosophie, toute la pensée spirituelle africaine est orientée vers la nature, n'est pas orientée vers un sauveur, vers un prophète, vers je ne sais quoi. Et ensuite, la nature l'a pénétré, la nature les sert, toi qui l'as pénétré, homme sage, pénétré c'est quoi? C'est la nature. Toi qui l'as compris, homme sage, homme heureux, respire dans le port, mais observe mes lois. C'est quoi les lois là? Ce sont les lois de la nature. Ce sont les lois que la nature nous enseigne. C'est pas un prétendu livre que Dieu aurait écrit. Il y a d'ailleurs que les seuls éléments que l'on peut considérer être des lois sur Terre. C'est les lois qui régissent le fonctionnement de la nature. Bah oui, c'est nature et cosmos, fétiche, faut être simple. Nature et cosmos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes ne peuvent pas produire des lois. Non. Eh non. On peut tout au plus avoir des règles de vie. Exact. Des traditions. Mais jamais nous ne sommes fondés à faire des lois. Enfin, moi, c'est mon idée. Hein. Nous n'avons pas la légitimité, nous n'avons pas la position dans le cosmos, nous n'avons pas tout simplement la possibilité. Ah, il y a quelqu'un qui fait du bruit là. C'est le compteur. Et un autre fétiche, à la lumière de ces lignes que tu es en train de lire, nous comprenons que ce texte n'émane pas et n'est pas destiné pour les Blancs. Pas du tout. Parce que ils n'ont rien à voir avec les lois de la nature. Voilà, ce sont eux qui fixent les lois, voilà, comme leur désir les inspire. Ce sont des mégalomanes. C'est ça. Donc, ce texte, vraiment, est purement africain. Totalement. Ah oui, Panthère, tu as tout à fait raison. Nous l'avons dit, dès d'ailleurs l'entrée en matière de ce texte, on ne voit en rien la patte de historique de l'homme blanc, hein, non, en rien. Hein. Rien. Il n'y a rien d'occidental hein, dans ce texte. Hein. Rien du tout. Ensuite, observe mes lois et en t'abstenant des choses que ton âme doit craindre. En t'abstenant des choses que ton âme doit craindre. Voilà. Le meurtre, les crimes de sang, les crimes. Enfin, tout ce qui a été décrit avant. En les distinguant bien, en laissant sur le corps régner l'intelligence. Vous voyez comment c'est vraiment magnifique. En laissant sur le corps régner l'intelligence. On n'est pas en train de dire que
que tu dois pas faire ceci, on parle pas de ton sexe, on dit pas que les femmes c'est l'antre du diable. Vous voyez, on est pas dans des trucs, putain, dans une espèce de bassesse, de pédophile, putain. Cette espèce de passion qu'ils ont pour les culottes, les occidentaux. Regarde comment c'est rédigé. Tu peux pas être pédophile quand t'as été élevé dans un truc comme ça. Ben, je sais pas. Vous voyez comment on aborde la question du corps avec vraiment... avec de putain, c'est... en laissant sur le corps régner l'intelligence. Allez lire la Bible, vous allez voir ce qu'ils disent. Du corps des femmes. C'est d'une vulgarité sans nom. Voilà, la consanguinité dans la Bible. Si tu laisses sur ton corps régner l'intelligence, tu ne seras pas consanguin. Tout simplement. Tout simplement. Afin que t'élevant dans l'éther radieux au sein des immortels, tu sois un Dieu toi-même. Donc ça veut dire quoi? Moi, j'imagine sincèrement qu'un texte comme celui-ci, quand tu lis le texte initiatique du niveau supérieur, ça doit te rendre ouf. Parce qu'en fait, si vous voulez, on n'hésite pas à... on ne dissocie pas les hommes de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on est capable d'être divin nous-mêmes. En reproduisant ce que la nature sait faire de bien, c'est l'harmonie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, c'est autre chose, hein. C'est quand même autre chose. Hein. En fait, fétiche, le mot ouais. Éther, moi je m'étais attardé sur le mot éther, je commençais à chercher un petit peu partout ce que signifiait éther. Et éther, j'ai l'impression que c'est le noun, en fait. Ouais. J'ai l'impression. Hein. C'est le ciel. Ouais, c'est le noun, c'est là où tout se fait, en fait. J'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est un mot c'est un mot, excuse-moi, grec, éther, mais bon, je pense que ce qu'ils ont tiré, c'est une divinité primordiale. Et le noun, c'est exactement ça. Hein. C'est ça. Ça. En fétiche, ouais. Une parenthèse, hein. Désolé hein, si je sors du texte. ouais, parlons du Noun. Nous avons au Cameroun le fleuve Noun. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mm-hmm. Si cela est connecté avec l'Égypte antique. Et il y a beaucoup d'autres noms qui sont connectés à des noms que nous retrouvons dans les textes que nous lisons. C'est une remarque que j'ai faite. Donc, c'est une parenthèse, tout simplement, parce que le frère Gilles Leca a mentionné le nom. Et puis là, ça m'est venu en tête. Donc, désolé, hein, c'est une, juste une parenthèse. Pas de problème. Voilà. Pas merci. De problème. Donc, ils attribuaient constamment ces vers à Pythagore, non qu'ils crussent que ce philosophe les eût composés lui-même, voilà, mais parce qu'ils savaient que celui-ci, que celui de ses disciples dont ils étaient l'ouvrage, y avait exposé l'exacte doctrine de son maître et les y avait tous fondés sur des maximes sorties de sa bouche. Alors, vous comprenez que les textes initiatiques de base, c'est-à-dire les textes de niveau 1, hein, sur peut-être une échelle de 1 à 20,
Et ben nous, nos ancêtres formaient les blancs au niveau 1, mais pas au niveau supérieur. Et eux, quand ils allaient en Europe, en Grèce en l'occurrence, avec des textes afro de niveau 1, ben les mecs créaient une école. Les mecs étaient des stars de ouf. Ben voilà, c'est ce qu'on est en train de dire là. D'accord ? Ensuite, et surtout par son attachement au précepte de Pythagore, se nommait l'Isis après la mort de ce philosophe, et lorsque ses ennemis, momentanément triomphants, eurent élevé à Crotone et à Mésapont, donc ce sont des villes d'Italie, cette terrible persécution qui coûta la vie à un si grand nombre de pythagoriciens. Ils ont été exterminés, les mecs. Écrasés sous les débris de leurs écoles incendiées, ou contraints de mourir de faim dans le temple des Muses, l'Isis, heureusement échappé à ces désastres, se retira en Grèce, où, voulant répandre la secte de Pythagore, oh putain, dont on s'attachait à calomnier les principes, il crut nécessaire de dresser une sorte de formulaire qui contint les bases de la morale et les principales règles de conduite données par cet homme célèbre. C'est à ce mouvement généreux que nous devons les vers philosophiques que j'ai essayé de traduire en français. Ces vers, appelés dorés par la raison que j'ai dite, contiennent les sentiments de Pythagore et sont tout ce qui nous reste de véritablement authentique, touchant l'un des plus grands hommes blancs de l'Antiquité. Oui, parce qu'il faut rajouter blanc là. Chez les Noirs, c'était un minable. Hein. D'accord ? Il faut rajouter blanc ici. Hein. Vous êtes d'accord ou pas ? Voilà, je valide, fétiche. Hiéroclès, qui nous les a transmis avec un long et savant commentaire, assure qu'ils ne contiennent pas, comme on pourrait le croire, le sentiment d'un particulier, mais la doctrine de tout le corps sacré des pythagoriciens. Et comme le cri de toutes les assemblées, il ajoute qu'il existait une loi qui ordonnait que chacun, tous les matins à son lever et tous les soirs à son coucher, se ferait lire ses vers comme les oracles de l'école pythagoricienne. Oh là là. Waouh! 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 Donc ça veut dire qu'il a créé une sorte de secte, mais dans laquelle, voilà, il fallait lire chaque matin et chaque soir, voilà, ces extraits, parce qu'elles étaient tellement si puissantes que voilà, il a recommandé que les adeptes et les disciples, les pythagoriciens, devraient s'attacher à ces lois et à ces principes fondamentaux puisés en Égypte. On savait dire qu'on les a enseignés la morale, on les a enseignés le principe, le savoir-vivre, quoi. Waouh! Super, super. Eh, moi, j'en peux plus des Occidentaux. En fait, c'est très, très grave ce qu'on est en train de lire là. En fait, les mecs, ils vont en Afrique, ce sont des ignares totales. On met entre leurs mains un texte qui n'a pas pour objectif de créer une secte, mais qui a pour objectif d'édifier l'homme, l'être humain. Et Pythagore, quand il rentre en Grèce, il va vouloir enseigner dans le format africain, transmettre ce savoir. Eh bien, on va aller chercher dans la sémantique occidentale le mot secte. Et bam ! On leur colle ça sur le dos. Ça permet de les massacrer. Le messianisme. Oui ? C'est-à-dire, en fait, c'est comme lorsque vous dites « Moi, je fais le kémitisme, je suis isme, tout ça. » Faut enlever tout ça, c'est très dangereux. Vous êtes juste africain, point. En fait, vous êtes ce que vous êtes Paul Atangana. Mais enlevez les ismes, les istes, enlevez ça.
Dans une société occidentale, vous êtes en train d'appeler la mort. À partir du moment où vous vous déterminez en isme, en iste, en truc, vous faites de vous-même une cible. Gardez, vous avez des noms, vous avez été baptisé, vous avez un nom, un prénom, ça suffit. Bonsoir, Jacquito. Bon. Allô, allô? Attends, on t'entend de loin, là. Bonsoir. Allô? Faut que tu parles plus près du micro. Oui, c'est mieux là? Voilà, c'est mieux, ouais. Allô? Bonsoir. Oui, on t'entend. Je l'ai à même pas un centimètre. Vous m'entendez? Ah d'accord, moi ouais, je vais tirer. Ouais, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir Fétiche. Ah bah d'accord, je vais le tenir comme ça alors. Voilà, donc. Alors, je viens juste d'arriver, j'ai suivi même pas 20 minutes du live, mais je me suis dit que j'allais monter quand même. Mm-hmm. Bon, bah écoute, il avait des choses importantes certainement à nous dire, Jacquito. Mais sa connexion est coupée. Mais non, il vient d'arriver, Jacquito. Jacquito, si tu viens d'arriver, je te conseille de quitter le panel, de regarder le live, là, tu mets 30 minutes avant et ensuite tu nous rejoins. Parce que là, s'il faut que je recommence la lecture, ça va être compliqué pour tout le monde. Donc vous comprenez ce qui a détruit au sein d'une société occidentale. Si tu es identifié comme emmenant une doctrine, tu fais de toi une cible. Donc arrêtez de dire que vous êtes faites du kémitisme, que vous êtes kémite, non. Vous n'avez pas besoin d'un nom pour être ce que vous devez être. Oui, oui, nous devons rester fidèles, autant que faire se peut, aux idées philosophiques primordiales de l'Afrique. Et ça nous suffit, on n'a pas besoin de dire « nous sommes kémitiques, nous sommes machin, nous sommes trucs ». Là, je suis fétiche de guerre, voilà, c'est tout. Patrice, mon nom de famille, mais vous n'avez pas besoin de vous inventer des ismes à la con, vous êtes stupide. Ouais. Oui, parce que là, c'est vous faites directement du blanc un ennemi. Il vous c'est qualifie ça. Directement, il vous dit « Ah, lui, il a tout compris, j'ai intérêt à me le zigouiller, je vais lui couper le sifflet. Je vais d'abord essayer de voir si je ne peux pas le tuer économiquement, après spirituellement, et puis si je ne peux pas lui faire perdre sa famille, sa voiture, sa maison, ainsi de suite, parce que il ne faut pas que ce gars-là se développe. » Vous faites de vous une cible. On continue. Donc, on rappelle que les vers dorés n'ont pas de Pythagore, mais de l'Égypte. C'est en Égypte que Pythagore reçoit cela, pour son initiation. Et quand il arrive en Europe avec, c'est une star. Regardez, on continue. On voit en effet, par plusieurs passages de Cicéron, d'Horace, de Sénèque et d'autres écrivains dignes de foi, que cette loi a été encore ponctuellement exécutée de leur temps. Nous savons, par le témoignage de Galien, dans son traité de la connaissance et de la cure des maladies de l'âme, qu'il lisait lui-même, tous les jours, matin et soir, les vers de Pythagore. Vous voyez ? C'est-à-dire, on ramène un texte initiatique d'Afrique, et tu as tous les blancs là, qui ont accès au texte, qu'ils le lisent eux-mêmes matin avant de démarrer leur journée et le soir avant d'aller se coucher. Écoute, Fétiche, je finis juste la phrase. Et qu'après les avoir lus, ils les récitaient par cœur. Voilà. Et Jidoka. Oui, moi je trouve qu'ils ont raison parce que de ce que j'ai vu de ces trois petits compléments là, il y a quand même beaucoup de choses qui nous ramènent au collectif, à l'individu, à la façon de se gérer dans le collectif, à la façon de vivre en harmonie avec la nature, d'en comprendre et d'en respecter ses règles. Il y a quand même beaucoup de choses qui nous ramène à notre africanité, Fétiche. Et franchement, je ne suis pas en extase
devant les textes bibliques ou autres. Non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est pas comparable. On est 3 siècles avant Jésus-Christ, mais pourquoi les Grecs ne lisent pas l'Ancien Testament ? Exactement. Testament, là, c'est ça, exactement. Faut m'expliquer, il est où l'Ancien Testament ? On continue. Au reste, je ne peux négliger de dire que l'Isis qui en est l'auteur. Non, il n'en est pas l'auteur. Vous voyez, là, on est en train de s'approprier le texte. D'accord ? Il n'en est pas l'auteur, l'Isis. L'Isis, c'est le disciple de Pythagore. Donc, il le reçoit de Pythagore, que Pythagore lui-même reçoit le texte d'Égypte, où il a été instruit. Obtint dans la célébrité en Grèce, vous voyez, ce texte a rendu l'Isis, le disciple de Pythagore, a fait de lui une célébrité en Grèce. Un petit texte de merde, enfin, pas de merde, pardon, mais le texte initiatique de base, reçu par son maître en Égypte. Bah, ce texte de base fait des blancs chez eux des stars. Regardez, une célébrité. Vous imaginez ? Qu'il mérita d'y devenir le maître et l'ami d'Épaminondas. S'il n'attacha pas son nom à cet ouvrage, c'est qu'à l'époque où il l'écrivit, l'ancien usage subsistait encore de considérer les choses et non les individus. C'était de la doctrine de Pythagore dont on s'occupait et non du talent de l'Isis qui la faisait connaître. Les disciples d'un grand homme, oui. Épaminondas, hein, j'ai cherché un petit peu, c'est un général grec. Donc voilà. Il va devenir le maître à penser d'un général, en fait. D'un boucher. On continue. Les disciples d'un grand homme n'avaient point d'autre nom que le sien. Tous leurs ouvrages lui étaient attribués. Ceci est une remarque assez importante à faire et qui explique comment, via ça aux Indes, Hermès en Égypte, Hermès et Djéoutia, d'accord, en Égypte et Orphée en Grèce, ont été supposés les auteurs d'une telle multitude de livres que la vie de plusieurs hommes n'aurait même pas suffi pour les lire. Voyez tout ça là, tous les auteurs que vous avez là, d'accord ? Vyasa en Inde, ça, c'est une caste. Hermès, c'est la caste des Djéhouti, d'accord ? Orphée, c'est pareil, hein ? Ça, à mon avis, si on creuse, il faudra aller voir, mais ça m'étonnerait que ça soit un blanc, parce qu'il ne maîtrisait pas l'écriture, les mecs. D'accord ? On continue. Donc ici, ont été supposés les auteurs d'une telle multitude de livres que la vie de plusieurs hommes n'aurait pas même suffi pour les lire. D'accord ? Donc c'est la production de connaissances de génération en génération avec une signature commune. Exemple de Djéhouti. J'ai suivi dans ma traduction le texte grec tel qu'il est rapporté en tête du commentaire d'Hiéroclès, commenté par le fils de Casaubon et interprété en latin par Gnagna, édition de Londres en 1673. Cet ouvrage, comme tous ceux qui nous sont restés des anciens, a été l'objet d'un grand nombre de discussions critiques et grammaticales. On a dû avant tout s'assurer de la partie matérielle. Cette partie est aujourd'hui aussi authentique et aussi correcte qu'elle puisse l'être. Et quoi qu'il existe encore quelques variantes, elles sont de trop peu d'importance pour que je m'y prête. Si ce n'est point mon affaire, et d'ailleurs chacun doit faire son métier. Celui des grammatistes a été fait d'abord, il est fini ou doit l'être. Le moyen de n'avoir jamais rien achevé, c'est de prétendre recommencer sans cesse la même chose, sans vouloir s'en rapporter à personne d'un premier travail. Je ne ferai donc point des notes critiques sur le texte, car je tiens ce texte pour assez examiné. Je ne ferai point non plus de commentaires proprement dit, car je pense que cela suffit d'avoir sur 71 vers ceux d'Hiéroclès, de Vitus Amerbachius, de Théodore Marsilius, de Henri Brehm, de Michel Néander, de Jean Traselius, de Guillaume Diésius, de Magnus Daniel Omeis, d'Anuré
d'acier, etc. Je ferai, comme je l'annonce, des examens plutôt que des commentaires. En gros, tous les personnages que j'ai cités, ce sont ceux qui ont revu le texte. Je donnerai sur le sens intime les vers, sur le sens intime des vers, toutes les explications que je croirais utiles à leur entier développement, que lui croira utile avec son cerveau de sociopathe. Donc, préparation, rends aux dieux immortels le culte consacré, garde ensuite ta foi. Voilà. Voilà ce que, pour un occidental, cela veut dire. Pythagore, auquel un savant moderne, d'ailleurs fort estimable, a fait le reproche assez peu réfléchi d'être un homme fanatique et superstitieux, commence son enseignement par poser néanmoins un principe de tolérance universelle. Il recommande à ses disciples de suivre le culte établi par les lois, quel que soit ce culte, et d'adorer les dieux de leur pays. Quels que soient ces dieux, leur enjoignant seulement de garder ensuite leur foi, c'est-à-dire de rester intérieurement fidèle à sa doctrine et de n'en point divulguer les mystères. Oh, je ne suis pas d'accord, moi, avec ça. L'Isis, en traçant ce premier vers, y renferma adroitement un double sens. Par le premier, il reconnaît, comme je viens de le dire, la cohérence et la réserve aux pythagoriciens, la tolérance et la réserve aux pythagoriciens, et à l'exemple des prêtres d'Égypte, établissaient deux doctrines, l'une ostensible et vulgaire, conforme à la loi, l'autre mystérieuse et secrète. Vous voyez, ici, on fait référence aux prêtres d'Égypte. T'es là, Judoka ? Oui, là, ils viennent de dire les prêtres égyptiens, donc la filiation est claire. Tout ça vient de l'Égypte. Et à l'exemple des prêtres d'Égypte, établissaient deux doctrines, l'une ostensible et vulgaire, conforme à la loi, l'autre mystérieuse et secrète, analogue à la foi. Honnêtement, je pense que là, l'auteur est vraiment à la rue. Par le second sens, il rassurait les peuples ombrageux de la Grèce. Alors, c'est quoi un peuple ombrageux ? On va aller voir. Je vais vous dire moi ce que c'est, un peuple ombrageux. Vous allez voir, ça va pas être flatteur. Hein. Alors, ombrageux, c'est défiant, méfiant, soupçonneux, peureux, craintif, farouche, difficile. En fait, c'est des peuples qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes et de leur force. On peut qualifier la Grèce dans ses débuts de ça, en fait, oui, non, face à la puissance de l'Égypte. Mais il y a un caractère barbare, je suis désolé. Bah oui, quand on te dit définition d'un peuple ombrageux, attends, bouge pas. Qui s'inquiète, qui s'effraie, oui. Susceptible, méfiant, peureux, craintif, farouche, difficile, susceptible. Ok, bon bah c'est pas. En tout cas, ce ne sont pas des grands savants. Hein. Non, ombrageux, non, c'est pas un peuple sûr de lui-même et de ses capacités. Un peuple ombrageux, c'est quelqu'un qui est, par définition, inquiet de son avenir. J'aime bien la définition de Jacquito, c'est belliqueux. C'est celui qui correspond le mieux. Oui, l'ombrageux va aller avec le belliqueux. Et en même temps craintif, et en même temps agressif, et en même temps méfiant. Tu vois ? Exact. Belliqueux, c'est le terme. Merci, Jacquito. Donc, alors, Alain, il rassurait les peuples ombrageux de la Grèce qui, d'après les calomnies qui couraient, auraient pu craindre que la nouvelle secte, vous voyez, n'eût voulu porter atteinte à la sainteté de leur Dieu. Oh là 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 là. Ok. Oh putain. Tu sais pourquoi ils ont été massacrés là les... Mais parce qu'ils étaient déjà polythéistes et qu'ils avaient déjà des offrandes et des pratiques envers ces dieux et qu'ils voyaient ça comme une compétition fétiche tout simplement. Mais non, du tout. Ils n'ont pas accepté. Ils ne voyaient pas ça du tout comme une compétition. Tu es face à un peuple belliqueux.
belliqueux, c'est un peuple stupide, pas instruit, médiocre. Mais si, oui. Oui, mais ils voyaient ça comme une compétition, là, les nouvelles façons d'être que Monsieur Pythagore allait amener et qui venait de l'Afrique. Il vient même atteinte à la sainteté de leur dieu. C'est-à-dire que ça signifierait que leur dieu serait moins efficient que le fait de suivre ses préceptes. Ouais, mais c'est grave. Non, si c'est un peuple belliqueux et ombrageux, ils ont peur de leur ombre, fétiche. Hein. Moi, je suis pas d'accord du tout, je suis désolé. Un peuple belliqueux, tu sais, ce qui est belliqueux est toujours stupide, pas instruit, tu vois. Belliqueux, c'est souvent dangereux aussi. Pourquoi dangereux? Parce que belliqueux. Et les peuples belliqueux, ce sont des peuples qui vont prier les dieux de la foudre, le dieu du tonnerre, les dieux de l'eau, les dieux des arbres et tout. Toi, tu arrives avec une pensée philosophique profonde. Tu gênes le belliqueux dans son confort et il te massacre. C'est tout ce qui s'est passé là. Les pythagoriciens ont été massacrés. On dit la même chose, hein. Je dis la même chose que toi, sauf que je dis d'une autre façon. Moi, je dis que c'était une atteinte, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, je prends le texte, hein. C'était une atteinte à la sainteté de leur dieu. Ils ont plein de dieux, plein de croyances établies, ils n'ont pas envie de se remettre en question avec ces trucs qui viennent d'Afrique. Quoi. Donc, on est d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont massacrer les pythagoriciens. Bon, de toute façon, ils avaient déjà pris en Grèce le virus du massacre. Hein? Alors, cette tolérance d'une part et cette réserve de l'autre n'était point alors ce qu'elle serait aujourd'hui. La religion chrétienne exclusive et sévère a changé toutes nos idées à cet égard. En admettant qu'une seule doctrine, dans une église unique, cette religion a nécessairement confondu la tolérance avec l'indifférence ou la froideur et la réserve avec l'hérésie ou l'hypocrisie. Mais dans l'esprit du polythéisme, ces mêmes choses prenaient une autre couleur. Un philosophe chrétien ne pourrait pas, sans se parjurer et sans commettre une affreuse impiété, fléchir en Chine le genou devant Kongzi, ni offrir son encens au Shanti ou au Tien. Il ne pourrait pas rendre aux Indes son hommage à Krishna ou Krishner, Krishna, je ne sais pas, Krishna. ni se présenter à Benares comme un adorateur de Vishnu. Il ne pourrait pas même, quoique reconnaissant le même Dieu que les Juifs et les musulmans, se mêler à leur cérémonie, ni ce qui est bien plus, adorer ce Dieu avec les Ariens, les Luthériens ou les Calvinistes. S'il est catholique, cela tient à l'essence même de son culte. Un philosophe pythagoricien ne reconnaissait point ces barrières redoutables qui parquent, pour ainsi dire, les nations, les isolent et les rend de plus qu'ennemis. Oui, parce que les pythagoriciens, ils portaient quoi en eux? La pensée africaine. Une pensée qui est supérieure à tous les dogmes religieux des barbares. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je trouve que là, fétiche, il est en train de donner une solution pour tous les peuples africains qui ont été évangélisés et qui sont musulmans. Parce qu'il leur dit, ce texte nous dit, être africain n'est pas contradictoire avec vos dieux actuels. Parce que c'est beaucoup plus profond, en fait. Et ça se situe à un niveau supérieur
par rapport à vos à même vos croyances. Je ne suis pas certain de valider ce que tu viens de dire. Ben non, mais ce n'est pas une histoire de valider, Fétis. Je te répète ce qui est écrit dans le texte. Je ne suis pas d'accord. Oui, en quelque sorte, judoka relève quelque chose qui a été dit dans le texte par rapport à la comparaison avec d'autres religions. On a mentionné Krishna et d'autres dieux dans d'autres religions. Donc l'auteur semble dire que voilà, ces concepts égyptiens étaient beaucoup plus profonds et beaucoup plus solides. Mais il y a un autre aspect que judoka a mentionné, donc c'est là où je suis pas, j'ai pas bien compris. Je suis pas d'accord parce que c'est pas exactement ça que le texte a dit. Mais sur ce volet de comparaison, là je suis d'accord sur la comparaison. Merci. C'est pas précis, judoka. Ben, moi, ce que j'ai compris du texte, hein, si je veux le résumer, tu peux garder toutes tes religions, et il décline l'ensemble des religions qu'il peut y avoir un petit peu partout sur Terre, et il indique que au sein même de ces religions, les doctrines amenées par ces textes ne sont pas, peuvent coexister avec leur religion, avec leur croyance. C'est faux. Ça, c'est pas ce que dit le texte. C'est objectivement pas ce que dit le texte. Le texte, il dit que les dogmes religieux chrétiens, musulmans, vishnous et compagnie, un prêtre catholique ne peut pas aller en Inde s'agenouiller devant Vishnou. Voilà. Il ne peut pas aller en Asie s'agenouiller devant Kondze. Devant Shanti. Non, attends. Non, c'est pas ce que tu viens de dire. Je suis désolé. Non, c'est pas ce que tu as dit. L'auteur explique qu'un prêtre catholique qui prie Dieu ne peut pas aller s'agenouiller devant Kondze parce qu'il est catholique, devant Shanti parce qu'il est catholique, devant Tien parce qu'il est catholique, devant Krishner en Inde parce qu'il est catholique, devant Vishnu parce qu'il est catholique, C'est pas ça, moi, sa phrase essentielle. De son message. Oui, mais c'est pas ce que tu as dit, donc laisse-moi non, dire. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, regarde. Un philosophe, je vais te relire la phrase qui nomme tout. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je n'ai pas fini de dire ce que j'avais à dire, mais vas-y. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, cette première partie, que il fait cette opposition-là, que je n'ai pas citée. Mais moi, je prends la phrase suivante. Un philosophe pythagoricien ne reconnaissait point ces barrières redoutables. Voilà. C'est là où tu as le sens que je viens d'expliquer, en fait. Oui, il ne reconnaissait pas ces barrières redoutables parce qu'il était au-dessus de ça. Bon, exactement. Ça n'enlève pas le caractère stupide, si tu veux, de ces prétendues barrières redoutables. Ah! Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour le pythagoricien, en fait, qui sont des philosophies africaines, hein, il dit la philosophie africaine ne reconnaît pas les barrières de toutes les croyances humaines comme redoutables. Voilà. Ouais, bon, alors là, s'il te plaît, tu vas éviter de me couper et me laisser finir mon truc. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah ben moi, c'est ce que je lis là, en fait. Non, mais je suis d'accord, mais je te demande juste de me laisser finir mon raisonnement. Vas-y, cette fois, de ne pas me couper au milieu. D'accord. Vas-y. Le truc, c'est que moi, je ne suis pas d'accord. Donc, en fait, ici, on souligne le caractère stupide de la croyance chrétienne, par exemple. D'accord. Parce que quand on prétend prier Dieu, d'accord, et qu'on parle une langue, et qu'on est persuadé que Dieu doit être prié sur la terre entière comme on le prie soi-même chez soi, c'est être stupide. Parce que la terre entière ne parle pas ta langue, ta propre langue, et la terre entière n'a pas la même culture que toi. Et puis la terre entière est quand même été faite par Dieu lui-même, que ça soit le bout de caillou, le territoire d'où tu viens, ou les territoires qui existent ailleurs, c'est quand même Dieu qui les a faits, et ces peuples-là aussi. Donc c'est stupide pour un catholique de ne pas être capable, alors qu'il prétend être enfant de Dieu, d'aller saluer Dieu chez des Asiates, chez des Hindous,
Vishnu, Kanzé, Shanti, Kirchen, etc. Ça, c'est stupide. Donc, chez les pythagoriciens, c'est stupide. Et c'est qui dit, il ne pourrait pas même, quoique reconnaissant le même Dieu que les Juifs et les musulmans, se mêler à leur cérémonie. D'accord ? Ni, ce qui est bien plus, adorer ce Dieu avec les Ariens, les Luthériens ou les Calvinistes, etc. etc. Donc ça ici, on souligne le caractère profondément stupide des dogmes religieux actuels. Parce que si l'on compare ça au texte initiatique africain, d'accord, quand tu vas chez des hindous, tu ne vas pas, comment dire ça, tu ne vas pas te, c'est pas parce que tu salues Dieu, tu salues une autre manifestation de Dieu. Parce que les hindous sont des êtres humains aussi. Et donc tu vas respecter leur façon à eux de rendre un culte à Dieu. Donc ça veut dire qu'en réalité, la posture de la pensée philosophique et spirituelle africaine est au-dessus de tous les dogmes religieux qui existent. Parce que quand tu prétends que tu es catholique, donc tu ne peux pas aller prier Dieu avec un musulman. Donc le musulman ne peut pas lui-même aller avec les catholiques. D'ailleurs, ils se sont fait la guerre pendant des siècles, ces gens-là. Mais ça veut dire que ni l'un ni l'autre, vous ne priez Dieu. Ben moi, c'est ce que je comprends. Donc, on n'est pas loin, mais ma conclusion à moi, c'est que quand tu prétends prier Dieu et que ta spiritualité te conduit à 1600 ans d'esclavage sur des populations innocentes, je regrette, tu ne pries pas Dieu. Hein. Quand tu prétends prier Dieu et que ta spiritualité te conduit à près de 7 siècles de massacres de personnes innocentes, bah c'est que tu ne pries pas Dieu. L'esclavage, c'est quand même la preuve qu'il n'y a rien de divin dans leur culte. Et donc c'est là où moi je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que j'estime, elle est là ma rupture à moi, c'est que moi, ce paragraphe moi me montre, c'est que toutes les populations qui ont eu un acte d'agression répété et qui en ont même fait leur culture, quoi. 1600 ans de traite arabo-musulmane, c'est pas 16 semaines, hein. Donc c'est rentré dans les mœurs. Tu pries quel Dieu, là ? Et le christianisme, vous êtes sûr qu'il prie Dieu, les mecs ? Ben moi, tu vois, par rapport au texte, oui, la production spirituelle de nos ancêtres est supérieure à tout ce qu'on est en train de lire là, parce que ce n'est pas du tout une production spirituelle qui conduit au massacre ou à la soumission des autres peuples. Tu vois, je ne sais pas si tu vois la nuance dans notre... Non, mais tout à fait. Bon, on dit la même chose, sauf que toi, tu mets l'emphase plus sur cette partie-là. On dit la même chose. Mais parce que je n'ai rien entendu de ta part avec lequel je suis en déphasage avec la compréhension du texte. Oui, donc mais par contre, toi, ta manière de l'avoir exprimé tout à l'heure n'était pas bonne, à mon sens. Ah, ça peut être. Hein. J'ai peut-être une façon... De retranscrire ce qu'il a voulu dire. On n'a pas mis l'emphase sur la même chose. Hein. Moi, ça m'a plus choqué de comprendre que l'essence africaine de la philosophie était supérieure à toutes les religions de la planète, ou pouvait s'inscrire dans toutes les religions de la planète, et sans contradiction. Ça, voilà, c'est le s'inscrire, moi, qui ça peut pas s'inscrire. T'inscris pas la pensée africaine dans l'islam, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais. Non, donc mais ça, c'est s'inscrire, là, qui est insupportable. C'est pas le bon mot, c'est parce que regarde, d'après ce que dit l'auteur, il n'a pas parlé d'inscription, mais il a dit la philosophie africaine ne reconnaissait point
ces barrières redoutables. C'est ah, t'as vu que... Voilà, redoutables. Redoutables. Des barbares. Des espèces de trucs bizarres. Si je peux ajouter quelque chose, Fétiche. Ouais. Voilà. Pour essayer un peu de clarifier, il y a un point vraiment important que Judoka et toi vous avez énuméré. Et nos ancêtres ont été génocidés et massacrés quand ces gens sont arrivés leur imposer leur religion. Ce n'était pas, ils sont pas venus avec des bouquets de fleurs. Ils sont venus pour massacrer et génocider. Donc, tu avais le choix de te convertir, de quitter tes terres, ou de mourir. Donc, bien que ils ont été forcés, leur spiritualité ancestrale, voilà, ils l'ont gardée, bien que ceux qui ont accepté se convertir restaient toujours attachés à cette spiritualité qui ne les empêchait pas, voilà, d'être chrétiens ou musulmans. Par exemple, aujourd'hui chez nous en Afrique, on retrouve des gens qui se disent chrétiens, musulmans, mais qui font leur rituel, qui pratiquent leur spiritualité. Et je crois que cela vient d'un traumatisme ancestral quand ces gens sont arrivés. Donc nos parents, certains n'avaient pas le choix, ils étaient obligés, voilà, de se convertir et en toutefois pratiquant, voilà, leur spiritualité de l'autre côté. Donc même notre spiritualité est toujours inclusive, tel que le texte nous dit par rapport à cette secte pythagoricienne qui utilisait les principes égyptiens, nos principes et nos concepts. C'est la même chose avec nos spiritualités que nous retrouvons un peu partout sur le continent. Voilà, elles aussi, voilà, ne disent pas que voilà, il faut pas être chrétien, il faut pas être musulman, elles ne disent pas qu'il faut aller tuer des musulmans, il faut aller tuer des chrétiens. Voilà, tout simplement parce qu'on voudrait que les gens s'adhèrent à notre spiritualité. Donc notre spiritualité n'est pas messianique, elle n'est pas missionnaire. Voilà. Ouais, mais est-ce que tu penses que c'est compatible? Non, il n'y a pas compatibilité ici, Fétiche. C'est que je voulais apporter cet élément dans notre spiritualité qui ne demande pas aux gens, qui ne dit pas aux gens d'aller faire du missionnaire, missionnaire et d'imposer aux gens, voilà, leur religion. On n'impose pas cela aux gens, mais par contre, d'accord. Non, désolé, Fétiche, je suis sorti un peu à côté, là, désolé. Bah oui, là t'es plus dedans, là. D'accord. Donc, on est d'accord là-dessus. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que tu apportes un texte initiatique africain à des barbares. Les gens sont intellectuellement pas prêts, ils sont pas au niveau. Et tu vois ici toute la médiocrité des dogmes religieux actuels, surtout le christianisme et l'islam. Parce que les Indiens, eux, ils n'ont pas parcouru la planète entière à massacrer des gens, à essayer de convertir. Les Chinois non plus. Ah oui. Donc pour moi, en cela, c'est totalement incompatible. Regarde comment étaient traitées les femmes dans la religion, ou sont traitées les femmes dans la religion chrétienne, dans l'islam. Moi, je ne vois pas en quoi le texte qu'on a lu avant est compatible avec de telles pratiques. Il y a incompatibilité totale. On continue. Un philosophe pythagoricien ne reconnaissait point ces barrières redoutables, voilà, qui parquent, pour ainsi dire, les nations, qui parquent les nations, c'est-à-dire qui divisent et séparent l'humain. Voilà. Voilà. Les isolent et les rendent plus qu'ennemis. Qu'est-ce que nous, on vient faire là-dedans? Les dieux des peuples étaient à ses yeux les mêmes dieux, et ses dogmes cosmopolites ne condamnaient personne à la damnation éternelle.
Nous, on nous a condamnés à la servitude perpétuelle. C'est le christianisme. 8 janvier 1454, Nicolas V, Romanus Pontiflex. Alors, qu'est-ce qu'on a de commun avec ça, nous ? Rien. Vous comprenez pourquoi c'est une abomination d'avoir un noir chrétien ? Ah ben c'est un noir qui est enchaîné, qui se met en servitude perpétuelle et volontaire. C'est ça ? On doit sortir de toutes les religions abrahamiques, c'est pas notre truc ça. C'est même affreux pour le noir en tant qu'Africain de se déclarer chrétien, parce que il renie son humanité de par sa croyance. C'est autant qu'il se suicide tout de suite. Hein. En outre, j'ajouterais, Judoka, qu'en fait, c'est de valider ce que les Occidentaux ont pratiqué sur nos ancêtres. Parce qu'ils sont venus avec ces religions. Comme je l'ai bien dit tout à l'heure, ils ne sont pas venus dans la paix. Hein. Il n'y avait pas de paix, c'était par la force. Et après avoir massacré nos ancêtres, nous aujourd'hui, on valide ces religions, on prie leur Dieu, ce Dieu qui a massacré nos ancêtres. Donc c'est un peu absurde pour moi. C'est un peu ça. Vraiment, c'est... En même temps, on ne prie rien du tout là. En même temps, on ne prie rien du tout. Ils n'existent pas, les mecs. Enfin, je veux dire, honnêtement, moi je ne vois pas quel rapport ils ont avec le divin, ces gens-là. Moi je vois pas. Moi je vois pas. Je vois pas en quoi, si tu veux, 1600 ans d'esclavage sur des populations innocentes, en quoi ça te connecte avec Dieu? Exactement. Tu peux m'expliquer? Quel rapport ça avec la création, ça? Comme tu l'as si bien dit déjà, fétiche, le mot magique, c'est le mot croire. Voilà. Le mot croire, c'est ce mot, en fait, voilà, qui passe au-dessus de l'entendement. Sincèrement, parce que croire aux ancêtres des autres, c'est vraiment absurde. On a nos propres ancêtres à nous. Il y a un mec qui se pointe, Jésus, voilà, qui est l'ancêtre d'une autre personne. Et déjà, d'ailleurs, on ne sait pas, il faut vérifier ici, s'il a existé, s'il a même existé. Si on va sous l'assomption qu'il a existé, ben je n'ai rien à faire, je n'ai rien à foutre avec Jésus. Il n'est pas mon ancêtre. Mais quand il s'agit de vénérer nos ancêtres et de rentrer à nos cultures, à notre tradition, à notre spiritualité, ah ben des gens trouvent que il y a problème. Pourtant, voilà Pythagore qui est allé en Égypte. Il s'est sourcé des connaissances et des concepts, voilà, de la vie, parce qu'il a trouvé qu'elles étaient plus importantes que les religions abrahamiques. Et pourtant, l'Ancien Testament existait. Pourquoi il n'existait pas l'Ancien Testament? À mon avis, il n'existait pas l'Ancien Testament. Oh, pardon. Ok, d'accord. Merci. À mon avis, il n'existait pas. Ok, d'accord. Ça, c'est des fables qui ont été réécrits en récupérant des trucs à droite et à gauche. Ça n'existait pas du tout. Alors, à l'époque de Pythagore, fétiche. Ouais, ça n'existait pas, moi j'en suis sûr. Oh, okay, d'accord. Oui. Alors, il pouvait, d'un bout à l'autre de la terre, faire fumer l'encens sur l'autel de la divinité sous quelque nom, sous quelque forme qu'elle fût adorée, et lui rendre le culte public établi par la loi. Et voici pour quelle raison le polythéisme n'était pas à ses yeux ce qu'il est devenu au nôtre, ou une idolâtrie impie et grossière, ou un culte inspiré par l'adversaire infernal pour séduire les hommes et s'attribuer les honneurs qui ne sont dus qu'à la divinité. C'était une particularisation de l'être universel, une personnification de ses attributs et de ses facultés. Avant Moïse, aucun des législateurs théocratiques n'avait pensé qu'il fût bon de présenter
à l'adoration du peuple, le Dieu suprême, unique et incréé. Voilà. Vous voyez ? Avant Moïse. C'est les Juifs qui pensent, donc je vais vous relire ça dans un autre sens. Avant le Moïse des Juifs, aucun législateur spirituel, donc c'est-à-dire théocratique, n'avait pensé que ce fût une bonne chose de présenter à l'adoration d'un peuple le Dieu lui-même. C'est les Juifs qui introduisent ce truc stupide. Tu ne peux pas présenter Dieu à l'adoration d'un peuple. Je ne sais même pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Présenter Dieu à l'adoration d'un peuple, c'est faire de Dieu ton instrument. C'est-à-dire, en fait, tu te sers de ce qu'il représente pour te mettre en valeur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que, en fait, quand tu réfléchis bien, moi, j'ai toujours détesté les gens qui parlent de Dieu toutes les cinq minutes. Ben là, j'en trouve un peu la justification. Alors, avant Moïse, aucun des législateurs théocratiques n'avait pensé qu'il fût une bonne chose de présenter à l'adoration d'un peuple le Dieu suprême. Unique et incréé dans son universalité insondable. Ben oui, c'est logique. Dieu ne peut pas être sondé, il est ineffable. Ineffable, ça veut dire que tu ne peux même pas parler de lui avec des mots humains, avec une langue humaine. Tu ne peux pas. Comment peux-tu prétendre en être l'héritier sur terre ou le promoteur? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être le promoteur de quelque chose qu'on ne peut pas déterminer avec des mots humains. Tu en fais la promotion comment auprès des autres sinon? Je sais pas, Panthère, Judoka, ou... Est-ce qu'il n'y a pas une arnaque là? C'est clair, petit, je suis désolé, j'ai de la bouffe là. Non, je suis d'accord avec toi parce que, en fait, ils sont en train de s'accaparer, de prendre ce que le Dieu suprême représente. Et en fait, c'est comme s'ils prenaient Dieu et ce Dieu devenait pour eux. Et là, maintenant, c'était à eux d'aller introduire ce Dieu à d'autres peuples. Comme si ces peuples-là ne connaissaient pas Dieu. En fait, ils en font un business. Exactement. Ils en font un business, c'est tout. C'est ça. C'est à ça que nous avons affaire. Non ? Moi, fétiche, je dirais les choses plus distinctement. Les Européens s'en foutent de Dieu, la morale, ils s'en foutent, ils nous le prouvent tous les jours, ils l'ont prouvé au cours de leur 4500 ans d'histoire. Ils ont même commencé leur aventure européenne, tu le sais maintenant, et on le sait par des nouvelles découvertes de peuplades asiatiques, les Yamana, qui auraient massacré les Africains vivant en Europe quand ils sont arrivés. Tout commence par un massacre chez eux. Donc, et après, ils te montrent les outils de leur domination. Et un des outils de leur domination, c'est la religion. Ils en ont deux, essentiellement, les Blancs, la religion musulmane et la religion catholique. Voilà. Et puis, à partir de là, tu as deux écoles là, qui leur représentent et qui n'est qu'un moyen de la domination mondiale qu'ils veulent exercer. Parce qu'après, quand ils ont tué tous les opposants, ils contraignent, comme l'a dit Panthère, de force les gens à se convertir. Si t'es converti ou mort, donc tu préfères te convertir, fétiche. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr.
Donc là, là, on vient de se rendre compte quand même qu'il y a une espèce d'imposture à la con. Ah oui, ces textes-là, ces textes anciens nous révèlent, nous font repenser à des choses qui sont, bon voilà, qui sont dans les arcanes de l'histoire. Hein. C'est franchement ça permet justement de se faire son propre avis sur ces événements historiques et ne pas prendre le prêt à penser que les Occidentaux nous proposent. Hein. Hein, tu te souviens dans ce qu'ils nous ont dit au départ, penser par soi-même. Exactement. Exactement. On continue. Alors, les Brahmes indiens que l'on peut regarder comme les types vivants de tous les sages et de tous les pontifs du monde ne se permettent point, même aujourd'hui, à leur longue vieillesse et effacés jusqu'aux traces de leurs antiques sciences, de proférer le nom de Dieu. Voilà. On prononce pas le nom de Dieu. Moi, je suis beaucoup plus en phase avec ça. Jamais on doit prononcer. En fait, tu ne peux même pas. Dieu même, ça ne le désigne même pas parce que tu peux pas. Tu peux penser, mais pas prononcer. Parce que c'est pas possible en langue humaine. Oui, c'est vrai que ça lui perd de son caractère insondable et Dieu est partout. Donc. C'est difficile de décrire quelque chose qui est partout, qui t'accompagne toute ta vie. C'est ça. Et c'est vrai que les gens qui citent Dieu, moi, ont le don fétiche de m'énerver parce que ce sont souvent des gens qui sont dans l'inaction, dans le pas penser par soi-même, dans tout ce que la philosophie africaine rejette. Hein. C'est ça. Et donc, je pense que c'est un piège qui est fait à bon escient pour les manipulateurs. Non, c'est du business. C'est vulgairement du business. Point barre. Je suis désolé. C'est du business. Donc, OK, il se contente de méditer son essence en silence et d'offrir des sacrifices à ses plus sublimes émanations. Les sages chinois en agissent de même à l'égard de la cause première qu'on ne saurait nommer ni définir. On ne saurait nommer ni définir. Les sectateurs de Zoroastre qui font émaner de cette cause ineffable les deux principes universels du bien et du mal. Une cause ineffable. Ineffable, ça veut dire qu'on ne peut décrire avec des mots humains, avec les langues humaines. On ne peut pas parler de Dieu avec les langues humaines. Voilà. Les deux principes universels du bien et du mal, Ormuzd et Ahriman, se contentent de se désigner sous le nom de l'éternité. Les Égyptiens s'y célèbrent par leur sagesse, l'étendue de leurs connaissances et la multitude de leurs symboles divins, honorés par le silence, le Dieu, principe et source de toutes choses. On l'honore par le silence. C'est chaud, hein? C'est très fort, petit. C'est très fort. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Ensuite, vous voyez, donc je vais revenir à ce qu'ils disent de l'Égypte. Hein. Écoutez bien. Les Égyptiens, donc ce sont nos ancêtres, si célèbrent par leur sagesse l'étendue de leurs connaissances et la multitude de leurs symboles divins. Les symboles divins, vous savez de quoi ils parlent là? De quoi ils parlent quand ils disent symboles divins? Attends, je vais regarder les résultats quand même. Il parle de quoi? Allô? Alors, de quoi il parle quand il parle de nos symboles divins? Hiéroglyphes, merci. Exactement. Et bien, tout simplement, pourquoi? Parce que dans les hiéroglyphes,
Alors, c'est parce que dans les hiéroglyphes, il y avait jusqu'à 2000 caractères. 2000 caractères. Est-ce que vous comprenez? Quand ils disent la multitude de leurs symboles divins, ils parlent des hiéroglyphes. Voilà. On honorait par le silence le Dieu, principe et source de toutes choses. Ils n'en parlaient jamais. Ben voilà, nos ancêtres ne parlaient jamais de Dieu. Ils n'en parlaient jamais, le regardant comme inaccessible à toutes les recherches de l'homme, et Orphée, leur disciple, premier auteur de la brillante mythologie des Grecs, Orphée, vous vous souvenez d'Orphée? D'accord. Orphée qui semblait annoncer l'âme du monde comme créatrice de ce même Dieu dont elle était émanée, disait sans détour, « Je ne vois point cet être entouré d'un nuage. » Je ne vois point cet être entouré d'un nuage. Voilà. Voilà, là, c'est le Dieu suprême. Voilà. Moïse, comme je l'ai dit, fut le premier qui fit un dogme public de l'unité de Dieu et qui divulgua ce qui jusqu'alors était enseveli dans l'ombre des sanctuaires, car les principaux dogmes, des mystères, ceux sur lesquels reposaient toutes les autres, étaient l'unité de Dieu et l'homogénéité de la nature. Il est vrai que Moïse, en faisant cette divulgation, ne se permit aucune définition, aucune réflexion, ni sur l'essence, ni sur la nature de cet être unique, ce qui est très remarquable. Avant lui, tout le monde connu, et après lui, excepté en Judée, où plus d'un nuage offusquait encore l'idée de l'unité divine, jusqu'à l'établissement du christianisme, la divinité fut considérée par les théosophes de toutes les nations sur deux rapports, premièrement comme unique, secondement comme infini. Comme unique réservé sous le sceau du secret à la contemplation, à la méditation des sages, comme infini livré à la vénération, à l'invocation du peuple. Or, l'unité de Dieu réside dans son essence, que le vulgaire ne peut jamais, en aucune manière, ni concevoir, ni connaître. Son infinité consiste dans ses perfections, ses facultés, ses attributs, dont le vulgaire peut seul, peut, selon l'étendue de ses lumières, saisir quelques faibles émanations et les rapprocher de soi en les détachant de l'universalité, c'est-à-dire en les parties particularisant et les personnifiant jusqu'à la particularisation et la personnification qui constituent ainsi, que je l'ai dit, le polythéisme. La foule de Dieu qui en résulte est infinie comme la divinité même dont elle prend naissance. Chaque nation, chaque peuple, chaque ville adopte à son gré celle des facultés divines qui conviennent le mieux à son caractère, à ses besoins. Ces facultés représentées par des simulacres deviennent autant de dieux particuliers dont la divinité de nom augmente, dont la diversité de noms augmente encore le nombre. Rien ne met des bornes à cette immense théogonie, puisque la cause première dont elle émane n'en a pas. Le vulgaire entraîné par les objets qui frappent ses sens peut devenir idolâtre et il devient ordinairement. Il peut distinguer même ces objets de son adoration les uns des autres et croire qu'il existe réellement autant de dieux que de statues, mais le sage, le philosophe, le plus simple lettré du ne tombe pas dans cette erreur. Il sait, avec Plutarque, que les lieux, les noms différents ne sont pas les différents dieux, que les Grecs et les barbares, les nations du Nord et celles du Midi adorent la même divinité. Il ramène facilement à l'unité de l'essence cette infinité des attributs, et comme font encore aujourd'hui les respectables textes des antiques samanéens, les prêtres des Burmans, ils adorent Dieu, quel que soit l'autel et le temple et le lieu où il se trouve. Bon, ok. Je peux dire quelques mots? Ouais.
Voilà, dans l'extrait que tu viens de lire, Fétiche, et à la lumière de ce que tes analyses précédentes, tu as fait cette remarque par rapport au retour à notre culture, à nos traditions. Parce que c'est à travers cette culture que nous allons nous identifier et retrouver nos concepts, voilà, nos concepts de vie, c'est-à-dire le système qui a été fait par les ancêtres, on doit retourner à ça. Parce que, afin de ne pas nous égarer, parce qu'on ne peut pas être dans un combat, voilà, en restant dans les concepts et dans les religions des autres. Parce que ça, ces religions ne nous appartiennent pas. On ne s'identifie pas à l'intérieur. Par contre, nos divinités, les divinités dont on parle dans le texte, sont importantes. Et parlant de divinité, ici on parle de science. Donc, quand les gens entendent, peut-être quand on entend divinité, on peut penser voilà, à plusieurs choses. Mais j'ai essayé de me focaliser et d'entrer en profondeur dans les divinités, par exemple les divinités Yoruba, et j'ai été impressionné par ce que j'ai lu, parce que ces ancêtres Yoruba ont mis en place de telles enseignes que le système booléen mathématicien que nous utilisons aujourd'hui, le système de communication d'ordinateur que nous utilisons aujourd'hui, le système hexadécimal, le système binaire, se retrouve dans les divinités Yoruba. Donc, je ne veux pas entrer en profondeur pour commencer à expliquer un peu tous les principes, mais j'invite les frères et les sœurs d'essayer de feuilleter dans cette divinité-là, surtout pour ceux qui ont fait dans les ordinateurs, dans les sciences, voilà, un peu, bon, ce sont même nos sciences, ceux qui ont un peu, fait dans la technologie. Donc, j'ai été bafoué, par ce système-là. C'est-à-dire que quand un frère Yoruba va chez un prêtre Ifa, voilà, la divinité s'appelle la divinité Ifa. En fait, le prêtre chez eux, c'est un mathématicien. Voilà, c'est un scientifique. Quand tu vas, tu exposes ton problème, tu dis ce que tu veux, et là, il utilise des concepts et des principes de la nature mathématique pour apporter un résultat. C'est pareil, quand tu vas sur Internet, tu saisis un mot, tu es à la recherche peut-être d'un sac à main ou d'une paire de chaussures. Tu saisis un mot-clé et l'ordinateur te fait la recherche dans le background et revient à toi avec plusieurs réponses à l'écran où tu vas faire ton choix. Ce principe de recherche et de solution sur Internet est le même principe que le prêtre Ifa fait, mais dans un paradigme purement africain. Donc c'est pour ça que les divinités africaines, c'est de la science quand tu entres en profondeur et que tu essayes de faire un peu de recherche. Donc c'était un mot par rapport à la divinité ici, parce qu'il ne faudrait pas que peut-être on se perde par rapport à ça. Donc les divinités africaines, ce sont des sciences. Non, moi, je suis... De toute façon, c'est... moi je ne suis même pas surpris. Honnêtement, ce n'est pas un sujet moi qui me surprend. Je suis impressionné par... Déjà parce qu'on lit là, et je trouve le caractère extrêmement médiocre de la. En fait, ça flingue totalement le paradigme occidental, les religions révélées, et tout ça. Ça paraît vraiment totalement désuet. Totalement désuet. Moi, ce que je vous propose, c'est que on poursuivra cette lecture parce qu'on va faire plusieurs lives parce que c'est intéressant de décrypter un petit peu la perception de. Donc, on s'arrête à la page 197. C'est très intéressant de comprendre la perception de l'auteur. Alors, je vais revenir à la page 185 et on va relire le. On va se quitter en lisant les vers dorés de Pythagore. Donc, chapitre 1, la préparation, rend aux dieux immortels le culte consacré. Garde ensuite ta foi, révère la mémoire des héros bienfaiteurs, des esprits demi-dieux.
Moi, pour moi, là, c'est nos ancêtres à 100%. Ensuite, sois bon fils, frère juste, époux tendre et bon père. Choisis pour ton ami l'ami de la vertu. Cède à ses doux conseils, instruis-toi par sa vie. Et pour un tort léger, ne le quitte jamais. Si tu le peux du moins, car une loi sévère attache la puissance à la nécessité. Ça, je ne comprends pas bien. Cède à ses doux conseils, instruis-toi par sa vie. Je reviens derrière. Sois bon fils, frère juste, époux tendre et bon père, choisis pour ton ami l'ami de la vertu. Choisis pour ton ami l'ami de la vertu. Cède à ses doux conseils, instruis-toi par sa vie, la vie de l'ami de la vertu. Et pour un tort léger, ne le quitte jamais, si tu le peux du moins. Car une loi sévère attache la puissance à la nécessité. Je viens de comprendre. Vous savez ce que ça veut dire, cette phrase-là ? Car une loi sévère attache la puissance à la nécessité. C'est-à-dire que quand il dit « Choisis pour ton ami l'ami de la vertu, cède à ses doux conseils, instruis-toi par sa vie, et pour un tort léger, ne le quitte jamais, si tu le peux du moins, car une loi sévère attache la puissance à la nécessité. » Tu es un homme puissant quand tu fais ce qui est raisonnable de faire et qu'à l'instant où tu dois faire ce choix, tu ne t'abandonnes pas à la facilité. Une loi sévère attache la puissance à la nécessité. Tu es puissant quand tu fais ce qui est nécessaire, pas quand tu cèdes à la facilité. C'est ça, je pense, moi, la loi sévère. Il t'est donné pourtant de combattre et de vaincre tes folles passions. Apprends à les dompter. Sois sobre, actif et chaste. Évite la colère. En public, en secret, ne te permets jamais rien de mal. Et surtout, respecte-toi toi-même. Respecte-toi toi-même. Oui, Panthère. Oui, Fétiche, je voulais donner mon avis sur une loi sévère attache la puissance à la nécessité. Par cela, je comprends que quelles que soient les difficultés d'une loi ou d'un principe qui sont destinés à te permettre d'être une meilleure version de toi, un homme ultime, bien que ce soit sévère, voilà, à travers cela, la puissance deviendra quelque chose. Deviendra une habitude, la quête à la puissance. Donc, c'est un peu comme une formation, une amélioration perpétuelle et continue, voilà, à travers des lois, bien qu'elles soient difficiles, sévères. Cela n'attache que, voilà, à la nécessité. Parce que demain, j'aurai besoin, si je n'ai pas pu remplir les conditions de cette loi sévère, si je n'ai pas pu atteindre le sommet d'un objectif, c'est pas grave. Je dois tout simplement continuer de la rechercher, continuer, voilà, de travailler, voilà, pour l'atteindre. Et c'est ce que je comprends pas ça. Donc, bien qu'une loi soit difficile, sévère, voilà, ça ne permet qu'à, voilà,
qu'à se fortifier, à grandir, à devenir mûr, voilà, mûrir, et finalement, être la meilleure version de soi, de sa propre personne. Merci, Fétiche. Désolé, je bégayais un peu là. T'inquiète pas. J'essayais tout juste, j'essaye de trouver les mots. c'est très fort, si bien que, voilà, j'essaye de trouver les mots un peu simples. Le texte n'est pas évident, c'est clair. Ouais. On est d'accord là-dessus. Donc. Alors, ne parle pas et agis point sans réfléchir. Et agis point sans avoir réfléchi. Sois juste. Souviens-toi qu'un pouvoir invincible ordonne de mourir, que les biens, les honneurs, facilement acquis sont faciles à perdre. Et quant aux maux qu'entraîne avec soi le destin, juge-les ce qu'ils sont, supporte-les, et tâche autant que tu pourras d'en adoucir les traits. Les dieux au plus cruel n'ont pas livré les sages. Comme la vérité, l'erreur a ses amants. Le philosophe approuve ou blâme avec prudence, et si l'erreur triomphe, il s'éloigne, il attend. Écoute et grave bien en ton cœur mes paroles. Ferme l'œil et l'oreille à la prévention. Crains l'exemple d'autrui, pense d'après toi-même. Voilà. Ça, c'est très important comme message. Consulte, délibère et choisis librement. Laisse les feux agir et sans but et sans cause. Tu dois, dans le présent, contempler l'avenir. Ce que tu ne sais pas, ne prétends point le faire. Instruis-toi. Tout s'accorde à la constance, au temps. Veille sur ta santé, dispense avec mesure au corps les aliments, à l'esprit le repos. Trop ou trop peu de soins sont à fuir, car l'envie à l'un et l'autre, excès, s'attache également. Le luxe et l'avarice ont des suites semblables. Il faut choisir en tout un milieu juste et bon. Que jamais le sommeil ne ferme ta paupière sans t'être demandé « qu'ai-je omis, qu'ai-je fait ?» Si c'est mal, abstiens-toi, si c'est bien, persévère. Médite mes conseils, aime-les, suis-les tous. Aux divines vertus, ils sauront te conduire. J'en jure par celui qui grava dans nos cœurs la tétrade sacrée, immense et pur symbole, source de la nature et modèle des dieux. Mais qu'avant tout, ton âme, à son devoir fidèle, invoque avec ferveur ces dieux, dont les secours peuvent seuls achever tes œuvres commencées, instruis par eux, alors rien ne t'abusera. Des êtres différents, tu sonderas l'essence, tu connaîtras de tout le principe et la fin. Tu sauras, si le ciel le veut, que la nature, semblable en toute chose, est la même en tout lieu. En sorte qu'éclairé sur tes droits véritables, ton cœur de vain désir ne se répétera plus. Tu verras que les maux qui dévorent les hommes sont le fruit de leur choix, et que ces malheureux cherchent loin d'eux les biens dont ils portent la source. Peu savent être heureux, jouets des passions, tour à tour ballottés par des vagues contraires. Sur une mer sans rive, ils roulent aveuglés, sans pouvoir résister ni céder à l'orage. Dieu, vous les sauveriez en désillant leurs yeux, mais non. C'est aux humains, dont la race est divine, à discerner l'erreur, à voir la vérité. La nature les sert, toi qui l'as pénétré, homme sage, homme heureux, respire dans le port, mais observe mes lois en t'abstenant des choses que ton âme doit craindre, en les distinguant bien, en laissant sur le corps régner l'intelligence, afin que t'élevant dans les terres à Dieu, au sein des immortels, tu sois un Dieu toi-même. Fin de citation. Quelle puissance, petit. Je manque de mots, hein. Sincèrement, parce que quand on nous parle des religions abrahamiques, avec du n'importe quoi qui se trouve dans ce texte, vraiment, il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas...
c'est même pas possible. Je suis à bout de mots. Moi, je ne sais pas. C'est tellement naturel, logique. Et ce n'est que du bon sens dans ce qui est dit. Il n'y a pas de... il faut croire Jésus, Marie, Joseph, Mohamed. Non. Bon, le texte dit que chacun de nous est un être... Ce n'est pas les star plays. Chacun de nous est un être divin. C'est pas... C'est super, super. Alors, je vous poste le livre, vous pouvez le télécharger. Page 185 du PDF. Voilà, je viens de vous poster le lien dans le chat, là. Vous allez à la page 185 et vous avez le texte. Donc, on fera un autre live dessus parce qu'il faut poursuivre l'étude faite par les Occidentaux de ce texte. C'est très instructif. Ok? Bien, judoka, ton mot de conclusion? Bah écoute, c'est un texte que je ne connaissais pas. D'après moi, il ne peut pas être écrit par un substrat occidental. J'y retrouve beaucoup de sensibilité, d'approche avec les textes égyptiens que nous avons pu lire ensemble. Mais j'y vois aussi une source d'espoir. Ouais. Car je pense que l'homme africain, grâce à la profondeur de ces textes et leur simplicité finalement, hein, puisque si on regarde le texte de la Mat, fétiche et 44 principes ou 43 principes, c'est très simple. Ben, c'est en une soirée, vous avez fait le tour, quoi. Vous avez vous avez votre ligne de conduite et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc, je trouve ça extrêmement puissant et ça ne fait pas appel à du messianisme, à toutes des bêtises qu'on peut voir dans les religions abrahamiques. Franchement, moi je dis que c'est fort, c'est puissant, c'est intense et c'est simple. Ça, c'est le texte que mon gamin va me réciter tous les matins avant d'aller à l'école, hein, je te le dis, moi. Ça, c'est clair et net. Fétiche, on dirait que voilà, tu étais you were on my mind, tu étais dans ma tête, quoi. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. Que voilà, c'est ça que mon fils, là. Il va grandir dans ça. Il va grandir connaissant ces principes dès le bas âge. C'est clair. Tu vois? Voilà, c'est clair. Non, là, il n'y a pas... Non, c'est clair. Au lieu de parler des affaires de catéchisme Jésus, Marie, Joseph, mon fils va me réciter ça. Voilà. Parce que ça, ces principes, en fait, conduisent à une quête perpétuelle d'une amélioration de ton propre être. C'est ça. Tu vois? Et dans une pensée critique et dans du bon sens. Donc, c'est vraiment très puissant. Très puissant. Je crois qu'avec la Mat, c'est les deux outils que nous devons avoir. Ils sont assez simples. Hein. C'est les deux outils que nous devons avoir. Et moi, je suis très content qu'au bout de ces deux ans, Fétiche, entre la Mat et ça, je pense qu'il faudra qu'on fasse peut-être un live de très court, de 2-3 heures sur la Mat aussi, ça sera nécessaire. Mais je trouve qu'entre la Mat et ce texte, on est outillé, on est armé philosophiquement pour affronter la vie. Hein.
Oh, c'est clair. C'est clair. Je suis d'accord. Bien, messieurs, moi, je vous remercie d'avoir été là. C'était très instructif. Ça fait du bien à la tête, en fait. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien, en fait, ce texte. Ah oui, ça fait du bien, parce que c'est après tes lives un peu poubelle sur Niamsi, fétiche, franchement, moi, je sais pas si c'est lui ou quoi, mais j'ai été malade toute la semaine. Hein, donc, franchement... Quoi, le live sur Niamsi? Ah, je sais pas si c'est une cause à effet, mais je suis allé voir aussi les commentaires de certains là qui sont partis en religion avec lui. C'est le plus grand savant du monde, faut pas le critiquer. C'est voilà. Je veux dire, voilà. Mais qu'est-ce qu'il leur a fait, quoi? J'ai vu que tu avais répondu à quelques-uns, mais pas à tous. Ben non, j'ai pas envie, je vais pas perdre mon temps. À un moment donné, ça va. Alors le live, le lien, il fonctionne pas, vous dites, mais ici il fonctionne le lien. Alors, si vous n'arrivez pas à télécharger l'ouvrage, vous faites la demande sur Telegram, on va vous l'envoyer dans le groupe. OK? Bon, en tout cas, messieurs, je vous remercie beaucoup. On va y aller, hein? OK? Donc, on se dit à vendredi soir. Il n'y aura pas de live jeudi. Ça sera vendredi soir. Et puis... On va attaquer un sujet un peu chaud patate. OK? Ça sera sur quel point, fétiche? Il y a eu une conférence de Simo et de sa bande, là, de la DGSE, là, qui a eu lieu à Paris. D'accord. Porte de Versailles, sur investir en Afrique. Oui. Et donc, on va débunker ça. Je t'enverrai des informations demain. Ah d'accord, très bien. Bon bah écoute, on essaiera d'être à la hauteur de la tâche. Oui, oui, on le sera largement. C'est des nuls. Aucun problème à débunker ça. Bon, en tout cas, bonne soirée à tous. Merci. À très bientôt. Mais qui parle dans ce texte-là? Hein? Qui parle dans ce texte? En fait, celui qui parle là, c'est Djéhouti, qui est la signature par laquelle des générations pendant des siècles de savants africains ont signé leurs travaux. Les savants initiés africains. Voilà. Et c'est Djéhouti qui parle à un de ses disciples de ce qu'est la mort. On continue. Donc, on recommence. Cette mort est pour beaucoup d'hommes un épouvantable fantôme. Et cependant, ce n'est pas autre chose que notre délivrance des liens de la matière. Le corps n'est qu'un vêtement d'infériorité qui nous empêche de monter dans les mondes du progrès. C'est une chrysalide qui s'ouvre quand nous sommes mûrs à une vie plus large et plus haute. Voyez la fleur qui charme nos yeux en nous enivrant de ses parfums. Elle est née d'une graine tombée dans la terre. De même, notre corps, quand il retourne à cette terre, d'où il a été tiré, l'esprit qu'il retenait captif s'exhale comme un parfum vers les cieux. Car l'esprit était contenu dans le corps comme le parfum dans le germe de la fleur. La mort est pour certains hommes un mal qui les frappe d'une terreur profonde. C'est bien là le résultat de l'ignorance, de l'agnoscence. La mort arrive par la débilité et la dissolution des membres du corps. Le corps meurt parce qu'il ne peut plus porter l'être.
Et ce qu'on appelle mort, c'est seulement la destruction des organes corporels. L'esprit et l'âme ne meurent point. Voici comment Djéhouti définit la vérité et en parle. Alors, on va voir ce qu'il dit de la vérité. Mais honnêtement, déjà, sincèrement, ce qu'on vient de lire là, pour ceux qui ont lu le Coran et la Bible, il n'y a aucun texte dans la Bible qui te parle de la mort de cette manière-ci. C'est clair. Aucun. Les textes religieux ont pour objectif de vous faire, de faire de vous des esclaves, des hommes et des sœurs qui ont peur. On vous demande de troquer votre joie de vivre contre la peur de mourir. Alors que quand nous avons fait le live sur celui-ci, le livre des morts, le livre de la vie après la mort, celui-là. Nous avons appris que, quand je vous dirai au revoir tout à l'heure, au lieu de vous dire que j'irai me coucher, je vous dirai que je m'en vais mourir. Et demain matin, je ressusciterai. Vivre et mourir, c'est comme dormir et se réveiller. C'est comme inspirer et expirer. C'est aussi nécessaire que l'eau a besoin du feu et inversement. C'est ça. En fait, ce livre-là, ce live-là, il était d'une profondeur terrible. Et dans l'explication que donne Djéhouti à son disciple, là, sur la mort, ça rejoint totalement ce que nous avons appris sur, sur ce live-là. Et en fait, depuis qu'on a fait ce live-là, déjà, j'avais plus peur de mourir là, du fait d'un événement, mais alors là, je suis béton. Et ça rejoint aussi le fait de, bah, de prier nos ancêtres, parce que finalement, oui, comme il explique très clairement, il ne meurt jamais finalement, tu vois. Bah, c'est ça. Donc, ça valide le culte de nos ancêtres. Mmh, comme on vient de l'apprendre là, il n'y a pas de mort pour l'âme. Pendant que je lisais le texte, je pensais à ceux qui font la crémation. Je me suis dit la même chose. On continue. Tu penses souvent trop loin. Bah attends. La mort... Ah oui, ça, on a déjà vu. On vient sur maintenant l'autre thème. Voilà. Voilà.